Prenez un papier, prenez un stylo, et vous pouvez noter petit 1, 1 égale ça, et 1 égale 2, etc., 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 etc. Et à la fin, on fera la correction. On fera la correction, donc s'il vous plaît, les amis, onegashimasu, minasan, kite kudasai. S'il vous plaît, écoutez les amis. Vous pouvez travailler de votre côté sans aucun problème. Vous pouvez interagir sur le chat, etc. Mais ne me mettez pas en avant si je fais une erreur. Ne me mettez pas en avant si je fais une bourde ou quoi, etc. Le but, c'est vraiment que je puisse m'évaluer et voir où j'en suis réellement dans le niveau. Après, bien entendu, quand on aura terminé tous les exercices, tout ça, on va discuter de manière très ouverte et vous allez pouvoir me dire « Attends, moi j'ai répondu ça, toi t'as répondu ça, il y a peut-être une erreur ou si, ou ça, etc. » Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour l'instant, là, comme je veux faire ça en mode évaluation, ne me répondez pas si jamais je fais une erreur. Juste deux petites secondes. Ok, let's go. Hop, je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais on va voir. Alors, autre chose, je vais papoter, hein. je vais parler, je vais me mettre en bleu pour écrire. Ce sera plus... Ouais, c'est bien bleu. Hop. Je vais parler pendant les exercices, hein. Je vais dire, ah tiens, ça c'est ça, ça c'est ci, etc., etc. Si jamais vous voulez le faire également, vous, de votre côté, n'hésitez pas, si jamais, baissez un petit peu le son pour pas que vous soyez spoilé par ce que je suis en train de dire ou quoi. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir. Allez, c'est parti, c'est la deuxième fois que je fais un contrôle comme ça avec vous, les amis. Ça va être rigolo. C'est très rigolo. Alors, on va commencer par le début. Dai Sanjuika, la leçon 31. Namae, ah, on commence par mettre son prénom. Allez, on va mettre son nom, parce que comme ça, quand on va rendre la copie au sensei, il va savoir ce qu'il sait. On va mettre sobrement. Jelemi. Et on se met un petit smiley, hein. Hop. Il a le regard de... on voit une carapace bleue à 36-15, miam miam. Allez, c'est parti. Alors... Premier exercice. Les, c'est l'exemple, hein. Les exemples. Yasumimas. Et là, juste à côté, il y a marqué Yasumo. Yasumo. Yasumimas. Yasumo. Ok, donc là, on est sur la forme masse des verbes ici. Et là, on est sur la forme volitive des verbes. Hein, ce qu'on a révisé hier. Un prout. Qui prout? Monsieur Taz, salut. Mets-toi à l'aise. Ouais, t'as raison. Mets-toi à l'aise. Allez, c'est parti. Ok, donc côté gauche, forme masse, côté droite, forme volitive, c'est parti. Désolé, 30 ans, mais c'est là pour ça. C'est là pour se détendre, hein, pour relâcher la pression et surtout aussi pour me déconcentrer un petit peu. C'est, ça marche très bien. Tsuzukemas. Ok, c'est le verbe continuer. Pourquoi kemas, tiens, d'ailleurs? Ah, c'est un deuxième groupe. J'aime vraiment. Ok. Non, c'est un deuxième groupe, celui-là. Tsuzukemas, ça finit par un E. C'est bizarre, j'ai envie de le... Je le voyais premier groupe, celui-là. Allez, je vais le faire comme je le sens. Du coup, ça donnerait Tsuzuke... Du coup, moi, je le considère comme un deuxième groupe. Ça va être un Tsuzukeyo. Tsuzuke yo. Ok. Modoso. So. Sa. Shi. Su. Modosu. Modoshimas. Ok. Pour l'instant, ça va. Modo. Shimas. J'allais écrire en forme neutre. Non, il faut l'écrire en forme masse, le verbe. Il faut l'écrire en forme masse, comme Jeanne. Kyuke shimas. C'est faire une pause, faire un petit break. Donc ce sera kyuke shimas, kyuke... On est sur un kyuke shimas, je dirais shimas, donc suru, kyuke, sashi, suse, so, kyuke so ou kyuke sho, kyuke. Toujours du mal avec ces verbes là. Là, ceux-là, là, celui-là, il me pose problème.
Il est dur à écrire celui-là. QK. Ça, j'y joue, c'est So. QK So. Non, non. QK Shio. Moi, je dirais Shio. Parce que c'est Shimas. C'est faire la pose avec Shimas. Contrairement à Modosu, où vraiment c'est le chi, il exprime pas Shimas, il exprime pas faire, mais il est intégré au verbe, quoi. C'est le son du verbe. Moi, je mettrais Shio. Okimas. Okimas, c'est un irrégulier du deuxième... C'est un irrégulier celui-là, c'est un irrégulier du deuxième groupe, c'est le verbe se lever, se réveiller. Du coup, ça va nous donner... Tomate. Putain, le kanji, là, je l'ai pas. Attends, on va écrire en hiragana, on va faire simple. Okiyo. 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 Ga tsuzuku, verbe intransitif, continue, durée prolongée. Tsuzukeru, verbe transitif, continuer, poursuivre. Ah oui, d'accord, ok. Ah putain, c'est les pairs transitif, intransitif, c'est ça. Tsuzukeru, tsuzuku. Arigato gozaimasu. Merci, les amis. Oko, oko. Ouais, ça redonne pareil, ça redonne okimas. Okimas. Celui-là, c'est poser. Celui-là, c'est poser. Poser quelque chose, etc. Et tout, quoi. Et ça, c'est un verbe du premier groupe, du coup. Celui-là, c'est premier groupe. Konnichiwa, Erupto-kun. Konnichiwa, Erupto. Genki, Genki. Kyo wa len... shiken o shite imasu. Ah, muzukashi ne. Muzukashi. C'est dur, c'est dur. Aujourd'hui, je fais un test. Je fais un test. Test de la leçon 31. C'est parti, là. C'est parti. Je vais bien galérer. Je vais bien galérer. Si tu veux t'entraîner, n'hésite pas. Prends-toi une petite feuille, un stylo et let's go, let's go, let's go, let's go. T'essaies de faire. À la fin, je ferai la correction. Je fais la correction, c'est bourré de fautes. Je pense que ça va être bourré de fautes. j'ai pas très confiance en moi de toute façon quand je fais ces exercices-là. Ça, c'est un des exercices du petit livre, là, le petit livre dont je t'ai parlé l'autre jour. Le petit livre qui va avec les leçons Minna no Nihongo. C'est bien corsé. C'est bien corsé. Alors, motekimas. Motekimas. Apporter. C'est apporter ça ou emporter? La nuance est tellement. Je pense que c'est... Parce que Kimas, c'est venir. Donc venir, sans entendu, t'es déjà là. Regarde ce que j'ai apporté. Ouais, regarde ce que j'ai apporté. Oui, parce que emporter, c'est tu pars de chez toi, tu emportes ton parapluie, et quand tu es chez quelqu'un, tu as apporté ton parapluie. Donc là, c'est apporter, je dirais. Mote Kimas, donc du coup, ça, bah, la partie elle, avec la forme T, ça n'a pas changé, donc ce sera toujours Mote. Moté et Kimas, ça donne je m'en souviens. Attendez, c'est tac 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 hop. Donc ça change pas le kanji et moté. Donc du coup ça se prononce koyo koyo moté koyo moté koyo. La prononciation c'est koyo. Tsugi, numéro 7. Nokorimas. 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 Je l'ai sur le bout de la langue, mais il vient pas. Nokorimas, ça donne Nokoru. Et la liloulé. Lo. Nokoro. Nokoro. Nokolo. 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 Oliyo. C'est ça. Oliyo. Oliyo. Ça m'a l'air d'être un irrégulier, ça. Ça, c'est un irrégulier du deuxième groupe. Ça donne Olimas. 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 Salut, Pamton. Salut, Pamton. Restez, c'est resté. Ah, d'accord. Ah, no Kolimas. No Kolu. Restez, d'accord. Arigato gozaimasu. Arigato. Ah, une fois que j'ai passé ma réponse, ouais, si vous voulez me donner une petite indication, il n'y a pas de souci. Mais après, pour si jamais vous me voyez galérer sur un point particulier, laissez-moi le temps de répondre avant de donner une indication, une réponse à la question à laquelle je posais. Je n'irai pas remodifier, hein, comme ça j'ai ma vraie note sur le test. Tsukaimasu, c'est utiliser, ça donne tsukau en forme neutre.
et comme ça je révise la forme neutre en même temps, hein, je vous balance de la forme neutre derrière. Et là, alors attends, Sky Mass. Ah oui, c'est test aujourd'hui. Eh ouais, c'est le test, test, c'est test aujourd'hui. Tskao, du coup, alors Aiwe O, Tskao, Tskao, Tskao. Ah, les Kenji qui nous aident pour bien voir où est la fin. Quelle est la partie qui se conjugue? Tsukao, Tskao. Mitsukemas, Mitsukemas. Donc c'est Mitsukelu, c'est un verbe du deuxième groupe, donc ça nous donne Mitsuke, Mitsukeyo, Mitsukeyo. Mitsukeyo. Et Mitsukeyo, apercevoir, je dirais. Il y a un sens avec le regard, forcément, il y a mi. Narabeyo. Ah, ça, c'est aligner, ranger. Bien ordonner les choses. C'est Brie Van de Kamp. Regardez ce kanji qui est parfaitement symétrique. C'est une symétrie parfaite, on dirait. Mais il me fait penser aussi à une tête de guêpe. Très schématisée, mais ça me fait penser à ça. Narabe. Du coup, ça donne Narabemas. Narabemas. Ok. Erabimas, Erabimas, Erabu, il me semble que c'est choisir, Erabimas, Babibu, Bebo, Bo, donc Erabo, Erabo, et là, Babibu, Bebo, comment je fais, Bo, oula, oh, bug de hiragana, wow. Attends. Ah, ho. Ah oui, d'accord. Et là. Bo. Mochimas. Porter, prendre, mettre. Tiens, je pense toujours au mochi. Hein, hein, le truc que tu mets à la bouche, tu le prends pour le mettre à la bouche. Je connaissais Nara. C'est quoi? C'est Nara. Narabu. C'est la petite guêpe là. Narabe, Narabemas. Je le connaissais en tant que exposé. Exposé. Ah d'accord. Il y a ce sens-là aussi. Ah, Pameton a l'air dubitatif. Ah, des fois, il y a des verbes, ils ont des sens incroyables. Hein. Mochimas. Donc du coup, ça nous donne Tachitsuteto Moto. Tachimas motsu. Ouais, c'est ça. Tachitsuteto. Dans mon manuel de kanji de licence, j'ai comme définition exposé. Sugoi. Sugoi. T'es allé loin visiblement en études si t'as un manuel de licence, Izanami. S'aligner, faire la queue. Narabu. Avec le même kanji? Avec la petite guêpe, la petite tête de guêpe. Alors voilà pour le premier exercice, on verra après s'il y a des erreurs, hein. Hein, voilà, j'ai fait ça, vous avez peut-être fait autre chose de votre côté, on fera la correction juste à la fin les copains. Allez, on enchaîne, j'essaie d'enchaîner un peu vite entre les exercices, je reviens sur vos messages du chat hein, bien entendu, mais j'essaie de pas trop donner d'explications sur, comment ça s'appelle, sur les exercices, tout ça, j'essaie d'avancer comme ça, on peut faire la correction tranquillement. Niban, les... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a toujours l'exemple de comment on fait l'exercice. Hein. On le voit marqué juste là. Alors, tsukaremashita kara chotto yasumimashou. Tsukaremashita kara chotto yasumimashou. Reposons-nous un petit peu, car j'étais fatigué. Je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué, donc reposons-nous un petit peu. Parce que j'étais fatigué. Ça fait bizarre. Parce que je suis fatigué. Il y a une notion de passé. Hein. Tsukaremashita. Hein. J'étais fatigué. Je suis. Est-ce qu'on peut dire je suis fatigué? Tsukareru. Alors. Je viens juste de finir ma première année de licence de japonais. Ah, trop cool! Trop cool! Et Izanami, tu es étudiante, en France?
Ouais, c'est pas exposé comme un sens, exposer son zizi dans le square. Il y a une idée d'ordre, de rangement. Nalabu, nalaberu. Ok. Et du coup, exposer. Ah, exposer, l'exposition, d'accord. Ah, ah mais non, attends, tu viens de dire que non. Et moi, est-ce qu'on peut voir ce sens-là dans le genre exposer, genre j'expose ces œuvres d'art, et elles sont bien exposées, elles sont bien alignées, elles sont bien rangées, elles sont bien tchac, bien alignées au cordeau sur le mur. C'est ce sens-là. Parce que oui, effectivement, exposer son zizi dans un square, je veux dire, faire de l'exhibitionnisme, là, on va pas utiliser ce... Venez voir cette exposition magnifique au parc d'enfants du square. Ouais, ça la fout mal, là. Ça la fout un peu mal. Ato ga naranderu. Ok, les œuvres d'art sont... disposé, aligné, exposé. D'accord, ok. On pardonne Pameton de ne pas avoir de petits accents, etc. Je vous rappelle que notre ami Pameton est au Japon et qu'il a un clavier japonais. Du coup, ben, il y a pas ce qu'il faut. Ohayou gozaimasu. Ah, kamitaizai. Oh, ohayou gozaimasu, kamitaizai-kun. Genki, genki. Kyo wa shiken desu. Shiken desu. Et c'est le contrôle aujourd'hui, c'est l'examen aujourd'hui, l'examen, leçon 31. On vient de finir le premièrement, on va enchaîner sur le deuxièmement, là ça y est, c'est parti. Et à la fin, je vous donnerai le corrigé à la fin. Tsukaru, c'est plus être fatigant. Du coup, tsukaremashita, c'était fatigant. Conclusion, je suis fatigué. Ah, c'est parce que c'était fatigant. Ah, reposons-nous un petit peu. D'accord, je vois mieux la nuance. Merci, merci Zanami. Oh, sugoi, sugoi. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Et du coup, alors, ça c'est le premier point. Alors, attendez, là, il nous donne la phrase comme ça. Et moi, derrière, je vais devoir écrire ce qui est marqué là, juste là, ici, là, en vert. Donc, tsukareta kara chotto yasumo. Donc là, voilà, la différence, c'est que on passe tout en forme neutre. Là, tsukaremashita. Tsukareta en forme ta, donc la forme passée neutre. Et yasumimasho devient yasumo. Hein. Comme on a vu hier, hein, la forme neutre de la forme macho, reposons-nous un petit peu. Donc du coup, la phrase, la première phrase, elle donnerait quelque chose dans le sens reposons-nous un petit peu parce que c'était fatigant. Et la deuxième phrase... Grosso modo, on pourrait presque la traduire de la même manière, c'est juste le niveau de politesse qui est différent. Donc on pourrait imaginer que la première phrase, elle est dite à une personne qu'on doit un certain respect, donc voilà, un peu, voilà, de cette manière-là. Et là, on peut imaginer qu'on est entre potes, on est entre nous, etc., qu'on vient de se faire, un trek pour aller au combini du coin, et on se repose un peu, c'était fatigant, là. Voilà, c'est le sens un peu plus familier. Allez, let's go, c'est ça qu'on va devoir faire. Merde, j'ai effacé une réponse. C'est ça qu'on va devoir faire, les amis. C'est transformer ces phrases de la forme polie à la forme neutre. Let's go, c'est parti. Ichiban. Jikan ga arimasen kara isogimasho. Jikan ga arimasen kara isogimasho. Alors, isogimas, c'est le verbe se dépêcher. Donc, dépêchons-nous. On a kara, là encore, hein, ce kara qui marque l'explication, la justification, parce que, la cause en fait, hein, parce que, quoi, qu'est-ce que c'est, parce que quoi, jikan, c'est le temps, ga, particulier sujet, et arimasen, hein, le verbe de présence, et là, il est conjugué à la forme poli, négative. Donc, jikan ga arimasen kara isogimasho. Donc, dépêchons-nous parce que nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas le temps. Très bien. Donc là, il va falloir le conjuguer à la forme neutre. Alors, c'est parti. J'ai de la place pour écrire. Ouais, j'ai un peu... Il y a moyen que... Attends, je vais essayer de réduire mon stylo. C'est parti. Alors. Oh, c'est mieux ça. Jikan. Ga. Alors, arimasen. Donc, c'est le verbe arimas. Forme polie. Donc, forme neutre, ça donne aru. Et la forme neutre négative de aru, c'est juste nai. Donc, jikan ga nai. Jikan ga... Il me semble que c'est ça. Jikan ga
Nice. Si je fais des fautes, si je fais des erreurs, ne me le dites pas pour l'instant, s'il vous plaît. Le but, c'est vraiment que je puisse écrire et le faire comme je pense que c'est. Et après, on verra à la correction si quelles sont mes fautes. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à venir agrémenter de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de pouvoir recevoir du soutien, recevoir des informations et surtout de partager ce genre de choses parce que vos commentaires, il va beaucoup m'intéresser déjà, mais il y aura peut-être d'autres personnes à qui ça va beaucoup intéresser. Donc, n'hésitez pas à participer à ce moment-là. Donc, Jikan ga nai. Ça me fait bizarre de dire nai kara. Nai kara. Ok. Jikan ga nai kara. Je vois pas d'autre manière de le faire. Jikan ga nai kara. Alors, isogimasho. Alors, c'est le verbe isogimas ga giguge go. Isogo. Ça donne isogo. Il me semble qu'on l'a vu hier en plus, isogimas, dans le tableau de comment on passe de la forme mas à la forme volitive. On va essayer de faire le kanji, il me semble que c'est ça, avec un espèce de yo, et ensuite on a kokoro, juste en dessous le petit cœur, iso, attends, ça c'est ko, ça c'est go, ouais, iso go, jikan ga nai kara, iso go, on n'a pas le temps, dépêchons-nous. Ça va l'écriture, vous arrivez à lire, c'est pas trop petit. Je suis en train de voir sur le retour du stream, sur un écran d'ordinateur, ça m'a l'air correct. Je vais voir sur un iPhone. Ouais, ça m'a l'air correct sur un iPhone. En format paysage, ça m'a l'air de passer. Ça m'a l'air de passer. Niban. Allez, c'est parti. Le deuxième mot. Oishii wine o moraimashita kara isshō ni nomimashō. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais quand tu écris petit, la version simplifiée des kanji peut peut-être t'aider. Je regarde. Attends, comment je peux garder ça ? Faut que je regarderai ça. Ah, il y a une version simplifiée des kanji, je ne connaissais même pas. Ah, je te confirme, Papeton, je pense que c'est un peu petit. Ah, un peu petit. Alors attends, je vais repasser sur la taille au-dessus. Hop, on va mettre ça et on va voir ce que ça donne. Ouais, je pense que c'est peut-être un peu tôt pour moi. Parce que j'ai passé que le N5. Hein. Je commence tranquillement le japonais. Hein. Enfin, je commence tranquillement. Ça fait quand même quelques années que j'essaie de le pratiquer régulièrement. Mais ouais, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Mais par contre, tu sais que je suis un grand curieux. Donc ouais, ça, je vais aller voir. Mais pas maintenant, parce que je veux pas me spoiler avec des informations ou quoi qui pourraient m'indiquer. Les seules ressources que j'ai le droit là aujourd'hui, là, immédiatement pendant le test, c'est ce qui est à l'écran. Alors, parlons de cette phrase. Oishi, c'est un délicieux wine, un vin délicieux. Hein, l'adjectif qualifie le mot qui suit. Hein, oishi wine, un vin délicieux. Hein, c'est à l'envers, hein, comme avec la particule no, hein, quand le possessif, hein, l'objet, il est à la suite et il n'est pas devant. Hein, la voiture de Jérémy, en japonais, ce serait la Jérémy de voiture. Oishi wine, o particule de COD, moraimashita kara. Moraimas, c'est reçu. J'ai reçu, on m'a offert en fait. J'ai reçu moraimashita, donc là c'est au passé. J'ai reçu un vin délicieux kara, donc là on a la justification. Ishoni yomimasho, nomimasho, ishoni ensemble, nomimasho, buvons ensemble. Alors, traduction, j'aime bien prendre la traduction à l'envers, je trouve ça beaucoup plus naturel, surtout pour ce genre de phrase là. C'est parti, on part d'ici, regardez. Buvons ensemble. Alors là, ça va peut-être pas s'y prêter. On va peut-être partir plutôt de la virgule. Parce que j'ai reçu un vin délicieux, buvons-le ensemble. Ouais, ça passe très bien là. Comme j'ai reçu un vin délicieux, buvons-le ensemble. Hop, et j'ai effacé la moitié de ma phrase précédente. Ok, transformons ça à la forme neutre, à la forme tutoiement, si je puis dire, pour faire beaucoup plus simple. Alors, donc ça va nous donner Oishi, Oishi, I, Wine, O. Oh mon dieu, il était horrible ce O. Ah, je peux pas effacer comme ça là, c'est vrai. Je suis pas sur les lignes. Moraimashita. Alors, moraimas, le verbe à la forme neutre de moraimas, c'est mora u. Et moraimashita, donc forme passée, moratta. Ça donne moratta.
Morata. La forme ta, la forme passée neutre des verbes en japonais, c'est la même chose, vous la conjuguez de la même manière que la forme t des verbes, mais sauf qu'au lieu de mettre t à la fin, vous mettez ta. Donc ça donne moratta. Moratta kara. Isho ni nomimasho. Alors isho, je pense que ça ne change pas. Isho ni. No mi macho, no mi mas, mi mami mume, mo. No mo. Ok, no mo. Ça donne quelque chose comme ça. Oula, oh là, attends, j'ai fait une bêtise. J'ai fait le kanji de manger au lieu de boire. Petite subtilité, petite différence, voilà, c'est là. No. No mo. Buvons-le! J'ai reçu un super vin, buvons-le! Troisièmement, Karina-san ga mada kite imasen kara mo skoshi machimashou. Karina-san ga mada kite imasen kara mo skoshi machimashou. Alors, Karina-san, bon, c'est Karina. Ga, c'est le particule pour marquer le sujet. Mada. Mada, c'est encore, hein, on l'a vu hier. Hein, mada plus forme T. T imasen, pas encore, hein, une action qui n'est pas encore accomplie. Donc là, on a le verbe venir, mais elle n'est pas encore venue parce que Karina-san n'est pas encore venue. Moskoshi, encore un peu. Moskoshi, encore un peu. Machimasho, donc là c'est attendons. Attendons encore un petit peu. Attendons encore un petit peu parce que Karina n'est pas encore venue, n'est pas encore arrivée. On pourrait traduire aussi par arriver, même si c'est pas le verbe arriver, mais on a cette notion là. Allez, troisièmement, c'est parti. Ka-li-na-san ga mata. Mada, pardon. Attends. Mada. Alors, kite imasen. Kite imasen. Je dirais kite inai. Kite inai. Alors là, je suis pas du tout sûr. Oh putain, on va voir la correction. Kite inai kara. Moskoshi. Bon, ça change pas. Mo skoshi machimasho ça nous donne chi, ça donne c'est quoi chi, ta chi tsu te to donc ça nous donne, qu'est-ce que je fais, j'écris allez. Ça nous donne mato. C'est bizarre ça. Mato. Je connais la musique, mais j'arrive pas à trouver d'où ça vient. Alors attends, t'inquiète pas, je vais pouvoir te dire. Écoutez récemment, c'était Mario Galaxy. Mario Galaxy. Il y a différentes playlists là qui passent. Vous avez la playlist des morceaux de Game Chop sur la page bio de la chaîne, hein, sur twitch.tv/germiland. Il y a un petit lien, vous cliquez sur la musique et crédit musique. Vous avez donc les musiques qui sont disponibles pour tout le monde et libres de droit. Et également, j'ai inséré quelques musiques de différents jeux vidéo que j'aime bien. Il faut que j'en ajoute. Je vais en ajouter là prochainement. Je vais en ajouter, faut que je le fasse, je le dis à chaque fois. Et il y a du Mario Galaxy, il y a du Pokémon, il y a du Zelda, bien entendu. Voilà, il y a quelques petits jeux là qui tournent que j'apprécie fortement. Faut que j'en ajoute. J'essaie de trouver des morceaux un peu pas trop non plus énervants, pas trop violents pour que ça reste dans le style de la chaîne et que ce soit aussi des morceaux qui nous permettent de rester focus sur ce qu'on fait et que ce soit pas non plus trop désagréable à écouter.
Ah mais oui, merci. Et oui, effectivement. Attendez, je remonte un petit peu sur ce que vous avez dit. Alors oui, Pam-t-on parler des kanji simplifiés. C'est un peu petit, surtout quand c'est... Ouais, d'accord, la version simplifiée, fait, vois ça plutôt comme une version raccourcie, comme on a en français quand on n'écrit pas les mots entiers, peut-être... Ah, d'accord, ok. Je doute par contre que l'école t'autorise à le faire. Je vois marqué, c'est super intéressant. Ah, j'ai trop hâte de voir ça. Je vais éviter de faire ça pendant mes partiels. Ouais, j'avoue, Izanami, ça peut être compliqué. Désolé, je te déconcentre. Non, surtout pas, faut pas s'excuser. Attendez, si j'avais envie de faire ça tranquille dans mon coin, j'aurais pas fait un live avec ça. Donc c'est pas grave, hein, si vous me déconcentrez pas. Et au contraire, le fait de venir parler sur le chat, de répondre à vos questions, d'animer, etc. et tout, ça me permet aussi de voir si réellement je connais bien les choses. Parce que si j'arrive à sortir des phrases juste en étant déconcentré, si vraiment je me mets dans ma bulle et que je fais ça en mode JLPT, c'est bon quoi, j'ai une meilleure note, en tout cas j'espère. Ouais, donc je confirme, évite de faire ça en partiel. C'est pas une façon correcte d'écrire dans le sens où c'est vraiment pour noter rapidement. Ah, d'accord, ouais, c'est des notes. C'est la plume à papote, quoi. Ouais, je comprends, ça reste sympa à voir, je reconnais la musique, blablabla. C'est bon. Faut de la musique de MGS pendant les tests pour l'attention. Putain, c'est une trop bonne idée, Pam-t-on. Oh, j'avoue, avec le petit téléphone. Oui. Alors du coup, Machima, ça donne Mato. Ça me fait bizarre de dire ça. J'ai l'impression que c'est très faux ce que j'écris. On verra. Mato. On verra. Alors, quatrièmement. Atsui desu kara, aircon o tsukete okimasho. J'étais en train de me dire justement que j'allais peut-être l'allumer, cette aircon là que j'ai au-dessus de la tête, parce qu'il commence à faire bien chaud. Je sais pas si vous entendez les cigales, là, ça y est, là, elles sont sorties. Ça commence à faire bien chaud. Alors, atsui desu kara. Atsui c'est un verbe, oui, on peut presque dire que c'est un verbe, les i adjectifs en japonais en tout cas. C'est un i adjectif et le des, c'est l'auxiliaire qui marque la politesse. Quand c'est un i adjectif et qu'on le passe à la forme neutre, le des disparaît. Donc c'est Atsui. Attends, par contre, il y a kara derrière. Atsui kara, ça passe. Atsui dakara. Atsui kara. Moi, je vais rester sur ce que j'ai appris. Voilà. Comme ça, si je fais l'erreur, au moins, elle va me percuter, je vais m'en souvenir. Fous-moi la paix. Alors, un kanji bien trop compliqué à... Attends. Je vais l'écrire en hiragana parce que là, je vais pas arriver à faire les traits correctement. Et ça va être très moche. Donc, Atsui kara. Eakon o tsukete okimasho. Alors, tsukete, jusque là c'est bon, tsukete okimasho. Allumons la clim. Teokimas. Faisons ça, mais allumons... Attends, c'est quoi déjà le Teokimas? J'ai un petit bug là-dessus. Phrase 4, je vais me le souligner en jaune. Comme ça, on révisera le Teokimas. Teokimasho, Okimas, c'est Kakikuke Ko. Oko? Teoko? Ouf, alors là, je suis complètement dans le flou, quoi. Atsui kara, oui, ça fonctionne, je crois. On verra la correction. Atsui, quel plaisir. Je me trompais souvent à l'époque. Bonjour, salut Major. Major RK. Comment vas-tu? Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Je fais un contrôle de japonais, je fais un test de japonais. Hier, on a révisé, bah t'étais là hier en plus, on a révisé les différents points de grammaire. Et là, maintenant, je suis à livre fermé. J'ai que cette jolie feuille là, sous mes yeux. Et je vais devoir. Je dois tout remplir de bleu. Et après, je prends mon stylo rouge et on va corriger, on va voir si j'ai juste. C'est un peu dur. Les exercices sont compliqués, mais c'est le but, c'est de voir si je suis à l'aise ou pas, et ça va me donner l'opportunité de réfléchir. Je viens de chill en vous écoutant. Bah pose-toi, tranquille.
pose-toi. Là, ça va être, chill. Là, ça va être bien prise de tête sur le début. En tout cas, pour moi. Et après, on va faire de la correction et ça va être cool parce qu'on va pouvoir échanger avec tout le monde. Je pense que je sais pas s'il y a des personnes qui s'amusent également à faire le test, mais ça va être sympa de voir un petit peu les corrections. Déjà, je vois des points d'opportunité de révision là avec le quatrième mont, donc ça va être cool. Oh, cette musique! J'en profite. Ah, j'adore. Pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on entend souvent cette musique, hein, on entend souvent cette petite mélodie, une mélodie de Wind Waker que vous entendez au tout début du jeu. Au tout début du jeu, sur le bord de la plage, j'ai un petit cochon. Prenez ce cochon, mettez-le au-dessus de la tête de Link et marchez, faites des ronds avec le cochon. Vous allez voir, le cochon, il va faire croc, croc, croc en rythme sur la musique. J'adore ce moment-là. J'adore, j'ai juste envie de jouer au jeu juste pour ça. C'est génial. Allez, Teokimas, allez, faisons notre bazar. Teokimas au Kakikuke ko Teoko. Alors là, j'en sais rien. Surcoté Wind Waker, pas tapé. Alors, bouton ban. T'as le droit d'avoir ton avis, hein, aucun problème. Moi j'ai adoré. J'étais à l'envers de tout le monde, où tout le monde disait ah mon dieu du cel Konigun. Ah mon dieu du cel shading, c'est horrible et tout. Bah pourquoi pas, et le jeu était cool. Moi j'ai bien kiffé le jeu. Hello, croc 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 croc. Toi aussi Dandiski, comment vas-tu? Ça va bien? Ça s'est fini ton live? J'espère que ça s'est bien fini pour toi. Je suis passé vite fait sur ton live hier, entre deux coups de fatigue, parce que je fais des travaux à la maison, et du coup j'essaie quand même d'avoir un petit moment, un petit quart d'heure pour faire le tour des copains qui sont en stream, surtout le soir. Et là je suis passé hier sur ton stream et c'était un peu compliqué pour toi, il y avait des vilains pas beaux qui t'embêtaient, donc j'espère que ça s'est bien passé, bien terminé. Et que t'as pu quand même faire le live comme tu le voulais. En tout cas, t'as tout mon soutien là. C'est des choses que je supporte pas et que je déteste. C'est profondément. Donc je me suis pas, tiens, en plein takoyaki pour toi déjà pour commencer. Et je me suis pas permis d'intervenir parce que j'ai vu que t'avais de la modération, que t'avais plein de choses, etc. Mais je voulais pas venir apporter mon grain de sel en mode ah tiens regarde, essaie de faire ça. Non, c'est bon. Ils savent se débrouiller et tout. Mais je m'étais dit tiens, il faudrait que je t'envoie un petit message ou quoi juste pour te dire voilà que j'avais trouvé ça abject et que j'avais envie de te le partager tout simplement. Mais là que tu passes sur le live, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Là, ils ont fini par abandonner et on a pu chiller tranquillou. Parfait. Bon, ça fait plaisir alors, ça c'est cool. À la tienne, c'est de l'eau. Moi j'essaye le test. Merci Océan, cool. Ah, ça fait plaisir. Mais je galère trop, je recopie. Si j'ai une idée de comment ça s'écrit, bah je l'écris pas. C'est parfait, le tout c'est d'essayer. Puis après on aura les explications avec la correction. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait peur tout ça. C'était des personnes qui ont du temps à perdre et qui viennent pourrir des lives. Qui viennent juste essayer de se rendre intelligent. Et mais bon, ils utilisent leur cervelle et leur cervelet d'une manière pas très adéquate. Goban. Ashita yasumi desu kara. Tokyo Sukai Tsuri. Ah, j'ai cru que c'était un petit tsu. J'ai essayé de faire la liaison. Non. Tokyo Sukai Tsuri ni ikimasen ka? Ah, je veux. J'aimerais tellement qu'on puisse me dire ça. Ah, oh, tu te réveilles et tout. Enfin, non, t'es là le soir et tout. Il y en a un qui te dit ça. Mais oui, allons-y. Alors, traduisons la phrase. Là, je suis complètement hypé, mais peut-être la moitié des personnes n'ont pas compris. Ashita, c'est demain. Ouah, le thème de notre phrase, donc c'est ashita, demain. Yasumi desu kara. Demain, c'est repos. Demain, on travaille pas. Parce que demain, c'est le repos. Tokyo Sky Tsuri, donc Tokyo Sky Tree, donc c'est la grande tour, le grand paratonnerre de Tokyo. Pameton, il dit qu'elle est moche, mais c'est parce qu'il la voit tous les jours et qu'il a le seum de cette tour. Mais moi, je peux te dire que même si elle est moche, la tour, je suis content de la voir. C'est par ma fenêtre. Tokyo Sky Tsuri
ni, donc la particule ni, la particule d'endroit, le lieu, hein, à la Tokyo Sky Tree, ni ikimasenka. Donc là, c'est une proposition, c'est une invitation. N'irions-nous pas, ça c'est dur à dire, pourquoi nous n'irons-nous pas à la Tokyo Sky Tree? Parce que demain, c'est le repos. J'ai une question et je vous autorise à répondre à cette question parce que là, on est dans des conditions du contrôle. Mais là, j'ai une question. Pourquoi ni? C'est à la Tokyo Sky Tree. Aller à la Tokyo Sky Tree. Ah, mais il y a quand même cette notion de destination. Si on avait mis et, ça aurait été bon. On n'utilise pas et parce qu'il y a cette notion de direction. Tokyo Sky Tree et ikimasenka. Je pense que j'aurais eu plus tendance à dire « et ». Mais peut-être que c'est « ni » parce que c'est un endroit très précis. Si quelqu'un a de l'eau à apporter à mon moulin, je veux bien pour ce petit point-là qui n'a rien à voir avec le contrôle et la leçon. Negashimasu. Salut Xenos. Salut. Merci pour le follow. Hop, attends. Ah, zut, attends, j'ai le chat qui s'est bloqué. Hop. Attends, je suis en train de tourner un truc là. Alors, c'est quoi? C'est un COI, aller à quoi? Ah! C'est un COI. Et peut toujours être remplacé par ni, il me semble. De toute façon, je reproche à toi. Ah, d'accord. Alors attends, tu veux. Ok, et là, on parle de la Tokyo Sky Tree. De toute façon, je reproche à Tokyo et au Japon en général de ne pas avoir de direction architecturale claire. Et c'est le bazar, le bordel. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ouais, c'est vrai que d'un quartier à l'autre, c'est. Wouh! Ah ouais! Tu passes de ça à ça. De fait, même si j'aime bien la tour Eiffel, je trouve que l'objet en lui-même est moche au milieu de beaux bâtiments parisiens. Bah, quand même, la tour Eiffel, elle est bien intégrée au style parisien. Bah, après, on la voit tellement, on s'est tellement habitué que voilà quoi. J'avais jamais vu ça comme ça. Ah, c'est vrai que dans les rues de Tokyo, tu te dis, mais tu passes d'une rue à l'autre, tu passes de quelque chose de très, très ancien, très, très japonais, et puis un truc un peu plus moderne, un peu plus Japon, ou autre chose. Ouais, c'est un peu un patchwork, en fait. Hein. Niveau archi et cohérence, on est pas mal à Bordeaux. Ouais, Bordeaux là, en tout cas, la zone du centre-ville et tout, là, de tout ce que j'ai vu, c'est vrai que, ouais, t'as une cohérence architecturale qui est assez dingue, quoi. Et puis j'ai vu des trucs, j'ai vraiment apprécié, quoi, ma petite balade dans Bordeaux, là, quand j'étais passé de voir Cunégonde. C'était cool, ça. C'était cool. Mais ouais, faut un juste milieu, ouais, c'est ça, faut un juste milieu. Après, en France, c'est trop régulé. Ouais, mais grave. Si t'as le malheur d'être en zone architecte de France, je sais pas quoi, là j'ai ma sœur qui a essayé de construire une maison, et elle est un peu trop proche d'un château, mais genre le château il est à 20 ou 40 km d'elle, et je viens de voir le message de Camille Paisaille. On l'attend. Dès qu'on a des slots de des modes disponibles, les copains, on va se la faire là, les modes de la dérive. Déjà la prochaine émote, je vous avais proposé ça. Celle-là, elle est en T2, donc dès qu'on a un slot T en plus, on rajoutera celle-là et on fera la dérive si vous voulez. J'avoue là. Oh putain, on part en live. Donc du coup, ouais, mais bon, bref, ma sœur, elle habite trop proche d'un bateau, trop proche d'un. D'un château, et ils lui ont refusé la maison parce que elle avait mis les cadres de fenêtres d'une couleur qui était pas assortie avec le château, enfin une connerie comme ça. Mais le château, il est. On le voit pas. Il est. Un carnage. Ou un bruit de vague dans la soundboard. Très
Très très bon, très très bon. Ouais, du coup, on s'est perdu là. Mais c'est génial, je s'en fous. C'est le but du live de toute manière, les amis. Eh les copains, on est ensemble jusqu'à midi, midi et demi. Donc voilà, il nous reste encore 2 heures pour finir le contrôle. Ça va, 3 heures pour faire un exercice, une feuille de contrôle qu'on est censé faire en moins d'une heure. Je pense qu'on va s'en sortir. Je pense qu'on va s'en sortir. Tout doit être accepté à la mairie, le moindre changement extérieur. Même en zone classique, c'est très régulé. Waouh, ah oui, quand même. Je savais qu'il y avait des permis, des trucs comme ça, mais alors là, c'est bien strong. C'est bien strong. On l'attend. Ouais, je vais la travailler, cette émote-là, Pameton. Je vais la travailler. Mais c'est frustrant, parce que tu sais, des fois, on se fait des émotes, surtout avec 36-15, on réfléchit souvent à des petites bêtises et tout. Mais du coup, on peut pas les mettre sur Twitch, parce qu'ils sont avares en slot d'émotes. Sur Discord, c'est un peu plus light. C'est bien, 50 émotes, on peut y aller. Monument de France, ouais, c'est ça, c'est le truc des monuments de France, ouais, Non, c'était pas Monument de France, il y avait un autre nom. Ça permet justement d'avoir des régions avec un charme, quoi. Ouais, oui, voilà, ça permet de bien d'avoir. Ouais, j'avoue, une maison style provençal au milieu de la Bretagne, entre toutes les maisons avec les toits en. Comment ça s'appelle, en ardoise et tout. C'est en Bretagne, hein, il me semble qu'il y a ça. Hein. J'étais allé une fois et il me semble qu'il y avait des toits en ardoise, les toits gris. Bizarre, hein. C'est bizarre. Hein. Certaines régions sont plus reloues que d'autres. Si tes voisins ont des barrières verticales, tu peux pas avoir des barrières horizontales. Oh, même si tu habites dans une impasse pavillonnaire. Ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est tout pareil. C'est Black Mirror. Allez, pouf. Devenez tous pareils, les robots. Ashita yasumimas deskara Tokyo Skytree à cause de ça là, hein, c'est à cause de ça qu'on a dévié là, la Tokyo Skytree. Bah, du coup, notre émote de la dérive, ce sera la Tokyo Skytree. On va se trouver un kanji dérive et on va le coller sur la Tokyo Skytree, ça va être génial. Ikimasenka. Alors, Tokyo Skytree qui est, rappelons-le, moche. D'accord, pas mal. On le rappelle. Donc, du coup, Ashita. Ça bouge pas, ça c'est facile. Ashita wa. Yasumi des kara. Donc là, ce sera. Ah, et on va garder l'auxiliaire des là. Et là, on va le transformer à la forme neutre. Yasumi dakara. Yasumi dakara. C'était le plus moche là de toute ma vie. Je suis désolé, hein, l'application là, comme j'écris sur une photo, ben en fait elle me corrige pas mes traits et tout, donc les traits sont un peu moches, hein, des fois, donc désolé pour mon écriture, j'essaie de faire au mieux. Dakara Tokyo. Tokyo. Sukaitsuri ni. Alors, ikimasenka, ikanai. Ouais, je mettrais ikanai. On n'utilise pas la forme volutive là? Non, c'est la forme neutre de macho. Donc Ah, il est en dessous le macho. Ikanai. Ah, je comprenais pas. Ah, d'accord, il y a phrase et réponse. Oh, super. Et il est cool ce truc. Ikanai. Donc là, on utilise la forme nai. Ikanai. Et faut pas oublier le point d'interrogation. Vu qu'on est en forme neutre, il faut mettre un point d'interrogation. Toi qui habites là-bas, Pameton, tu sais c'est quoi la grosse crotte jaune dégueulasse à côté? C'est pas le bâtiment pour les combats de sumo? C'est le bâtiment de Asahi. Le bâtiment d'Asahi. Ah. Ça a été designé par Stark, un Français. Tony Stark? Cocolico. Cocolico. Ah merde. Merde. Ouais, Cocolico. Ah ouais, là voilà. Ça rip le Cocorico là. Mais un gros rip complet là. Attendez. Hop, hop, il est où mon rip? Il est là. Iron Man. Ah oui, bah voilà.
Oui, on avait la même référence, Rémi Taizai. Oui, bon, c'est bon, c'est bon. On a compris que c'était Philippe Stark. Toi, ta carapace bleue, tu vas te la prendre. J'ai tellement hâte. Boum pour 36-15. Eh, Ikimacho. Eh, Ikimacho. Oui, allons-y. Donc, ah, ben là, on utilise la forme volitive. Ikimacho. Oh, putain, ce boum au milieu de ma feuille, quoi. C'est génial. Eh, les copains, quand on sera partenaire, quand on aura notre petite tique violette, ça, ce sera la première émote animée que je vous proposerai. Première. On va retourner voir Ponce et on va lui demander s'il peut nous aider à devenir partenaire rapidement. Juste pour avoir l'émote, hein. On veut juste l'émote animée. C'est tout ce qu'on veut. Ou sinon, on lui propose l'émote animée sur son live et qu'on utilise nous. C'est faire, non? Non, je crois pas qu'il va vouloir. T'es dans mon viseur, Océan. Oh, punaise. Océan, fais attention. Prépare-toi pour vendredi. Alors, du coup, ça nous donne Iki, Macho, Ki, Kakikuke, Ko, Iko. Iko. Ok, facile. Sixièmement, Rokuban. Ano kisaten ni hairimasen ka? Ano kisaten ni hairimasen ka? Alors là, je comprends qu'on utilise ni. Là, je comprends qu'on utilise ni. Dans ce kisaten, rentrons dans ce... Pourquoi ne rentrerions-nous... J'ai du mal à le dire. Rentrerons-nous pas dans ce salon de thé? Ah, c'est nuance, ces questionnements négatifs à la japonaise, là, on en parlait hier. Il me semble que c'est toi, Pamton, qui mettais ça en avant. Encore là, une illustration dans le sixième mot. Ano Kisaten, ce salon de thé, hein, Ano, donc là, t'es toi avec ton pote, et tu vois le salon de thé. Là, il est au loin, hein, il n'est pas à côté de toi, il n'est pas à côté de ton pote. On utilise Ano, hein, ce Kosoado, qui veut dire que c'est loin. Ok, donc ce salon de thé, pourquoi allons-nous dans ce salon de thé? Pourquoi on n'irait pas dans ce salon de thé? Du coup, forme neutre, Ano. Kisaten, alors vous m'en voulez pas, mais Kisaten, là, je vais l'écrire en hiragana. Kisaten, même si ça me fait mal d'écrire T en hiragana. Ano Kisaten ni hairimasen ka. Hairimasen ka, donc ça lui donne hairanai, avec la petite intonation qui monte. Alors, je reviens sur vos messages du chat, quand même, ignore, mais j'ai fait exprès, Konigun, ah, j'ai fait exprès, t'es dans mon viseur, Océan, ah, j'adore ce genre de petites phrases, je reviens quand même sur les phrases, t'es dans mon viseur. Vendredi, les amis, hein, n'oublie pas, vendredi, 10h30, j'ai une annonce à vous faire, et 10h45, on se retrouve pour un Mario Kart tous ensemble, donc venez, point d'exclamation code, vous récupérez le code ami dans le chat et vous pouvez venir jouer avec nous, il y aura 36-15 en cible, bim bam boum, c'est objectif 36-15, objectif lune, objectif 36-15, objectif la lune de 36-15. Oh putain. Major, il voulait du chill et se poser tranquille. Vendredi, ce sera pas trop le cas. Hein. Je préfère te prévenir. Ça risque d'être explosif. Mais les émotes animées, on peut les avoir même dans les serveurs privés. Oui, mais il faut que ce soit Nitro. Ouais, voilà. Seuls les abonnés Nitro peuvent les utiliser, mais on peut en mettre. Oui, tout à fait. Tu peux ajouter des émotes animées sur ton serveur, mais il y a que les Nitro qui les utilisent. Alors moi, je suis pas Nitro sur Discord, parce que je garde mes petits sous pour investir dans Twitch, hein, le peu que je peux mettre, et derrière je peux proposer une émote animée comme celle-là, la fameuse boom, et c'est que les abonnés Discord boostés là qui peuvent l'utiliser sur le Discord. Attention, j'ai fait le tournoi de Ponce. Oh, t'as fait le tournoi de Ponce, Océan. Combien t'as fini? T'as eu quoi? Des points et tout là? Comment ça s'est passé? Alors, du coup, pour tout à l'heure, le E de direction peut toujours être remplacé par ni et pas inversement. D'accord? Pour faire un peu moins formel. Ah, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit en cours si mes souvenirs sont pas déformés. D'accord, donc on peut. Attends, tchotomate.
Et peut toujours être remplacé par ni. D'accord, on peut utiliser ni à la place de et. Ok, d'accord. Pour faire un peu moins formel. Super. Super. Puis tu deviens... toutes les particules disparaissent de tes phrases. Oui, d'accord. En même temps, lui, il a tout supprimé. Major qui nous dit, ne vous inquiétez pas. Ouh, Major, il va venir nous mettre une déculottée. Je connais pas votre niveau, mais je m'entraîne souvent avec mes filles et j'ai une bonne connaissance des maps. Ça fait quand même pas mal de fois qu'on fait des sessions Mario Kart avec tout le monde. On a fait deux ou trois fois des soirées Mario Kart. C'était bien cool. Et cette émote 3615, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des petites fesses qui font gling, 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 gling. Alors qu'en fait, c'est une émote globale, quoi. C'est des yeux en feu, mais j'ai toujours l'impression que c'est des petites fesses qui dandinent. Ça fait un certain nombre de fois qu'on fait ça. On commence à s'améliorer, mais bon, on est loin des hauts niveaux, hein. Des fois, moi, pour te dire, je crois que je suis à 6... Tu as combien 3615 de points? 5000? 5000? 6000 maintenant, hein. Pour donner une idée, je pense que j'ai un niveau d'environ 7000, 8000. Ah bah je pense qu'on est à peu près... t'es plus proche du niveau de 3615 que du mien du coup, Major. Ouais. Ouais, t'es plus proche du niveau de 3615 que du mien. Il me semble que 3615, lui, il est dans les... T'es à 4500, 5000. Ok. Ouais, ça fait pas longtemps qu'on joue à Mario Kart, je l'ai eu day one, mais le online, j'ai jamais joué online. Le online, j'ai commencé à y jouer avec vous, quoi, en fait. Alors, c'était surtout pour s'amuser avec 3615, et au final, maintenant, c'est devenu la bastonnade, lui et moi, quoi. Alors, j'ai pas 7000, 8000, mais je fais que monter parce que j'ai joué pas souvent. Ah ouais, moins tu joues, plus ça monte vite. C'est ce qu'on a remarqué. Mais j'estime que j'ai à peu près ce niveau. D'accord. D'accord, ouais, donc ouais, il y a moyen de faire des étincelles. Il y a moyen que ce soit amusant. Alors, du coup, la réponse est so shimasho. Alors, faisons cela. So shimasho. Alors, du coup, et devient so, on va laisser so. So shio. Shio. So shio. Deuxième exercice fini. Youpi. Youpi. Troisième exercice. On enchaîne. Major va exploser en plein vol. Ah, il commence 3615. Attention, Jérémy, on connaît tous la sentence de Mario Kart. Oui, l'éclair. Le fameux éclair. On verra. Oh punaise, ça y est, ça commence à se chauffer. C'est bien, ça me plaît. Soon. Oh, magnifique. La petite émote avec la carapace bleue. Oh, c'est mignon. Bah, moi, ma préférée reste celle-ci, hein, bien entendu. Hein. La bombe atomique sur 3615. Hein. Alors, Samban et na, je sais pas. S'il vous plaît, Twitch, les furigana, Twitch, furigana, onegaishimasu, Toadette, je joue Toadette, avec Toad et Toadette. Du coup, on fire. Mais ouais, mais on n'ose pas taper. On n'ose pas envoyer un petit truc. Une carapace bleue sur un petit truc tout mignon et tout rose, là, tout mimi. Là, là, là. Ah, petite toilette et tout. Ouais, tu parles, beau bombe. Boum. Hey, Tiban. Non, les. Lenkyu wa. Chikaku. Ok. Lenkyu wa chikaku no onsen ni ikou to. Alors, Lenkyu, c'est les jours de repos consécutifs. Hein. C'est genre, je sais pas, t'as un long week-end prolongé, un pont, un viaduc, hein, ce que tu veux. Lenkyu wa, donc mes jours de repos, mes petites vacances. Merci pour le Prime. Oh, Major, merci pour le Prime. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Merci. Mon Dieu, j'ai eu peur. C'était quoi ça? Le P de mouche. Merci, Major. C'est très généreux de ta part. Merci beaucoup. Iconigune qui vient de me farter à l'oreille. À la vôtre, les amis.
à la vôtre. Lenkiwa chikaku no onsen ni iko to omotte imasu. Ah, ça y est, on passe sur la forme to omotte imasu pour indiquer la volonté, pour indiquer l'intention. J'ai l'intention de me rendre quelque part. Et là, on utilise to omotte imasu pour indiquer une intention qu'on a déjà depuis un certain temps et qui est toujours d'actualité. Bah tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas faire pendant tes Renkyu, pendant tes jours de repos consécutifs? Renkyu wa chikaku no onsen ni iko to omotte imasu. J'ai l'intention d'aller pendant mes jours de congés consécutifs, hein, d'aller proche d'un onsen. Chikaku no onsen. Chikaku, c'est proche d'un onsen, donc sous-entendu, il va faire des vacances proches d'un onsen. Il a envie de se relaxer, de se détendre. Ok, donc là, ça va porter sur ça. Et on voit ce qui est souligné là, juste ici, c'est le verbe à la forme volitive. Donc let's go, on va devoir conjuguer les verbes à la forme volitive. Oh putain, il va falloir trouver les verbes en plus. Oh, ça c'est dur. Ça c'est très dur, ces exercices-là, où t'as pas le verbe et il va falloir trouver le bon verbe. Ichiban. Kaisha o yamete mo ichido daigaku de to omotte imasu. Ok, donc là, ça devrait aller. Kaisha o yamete, donc kaisha c'est l'entreprise. Yamete, donc là c'est arrêter. Et là, on a la forme T. Donc là, en l'occurrence, c'est on fait cette action en premier lieu. Donc là, kaisha wa yamete. Donc là, c'est arrêter l'entreprise. Sous-entendu, c'est démissionner de l'entreprise, démissionner de son entreprise. Mo ichido, encore une fois, daigaku de. Daigaku, c'est l'université. Donc encore une fois, à l'université. Dès, on a la particule dès, la particule de moyen avec l'université, avec le moyen de l'université. To omotte imasu. Donc grosso modo, je pense que il va essayer d'étudier à l'université encore une fois. Hein, il va essayer encore de faire des études à l'université. Donc je pense qu'on va utiliser le verbe benkyo shimasu. On va essayer. Kaisha o yamete mo ichido ga daigaku de benkyo shiyo to omotte imasu. J'ai l'intention d'étudier à l'université encore une fois après avoir démissionné de mon entreprise. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va essayer ça. On va essayer ça. Alors, benkyo, tiens, on va voir si. Ça et le deuxième kanji. Putain, il y a un truc là. Il y a une boîte. Je crois que c'est ça là. Attends, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Benkyo. Je le note juste là. On va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Ce remix de Pokémon qui rappelle les meilleures vibes de la troisième génération. Il y a de très très bons remixes. Hein. Franchement, ils sont vraiment 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 doués, les gars qui ont fait ça. C'est Game Chop. Je sais pas si tu connais. Attends, je vais essayer de vous envoyer le lien. Partager. Copier le lien vers le titre. Alors déjà, vous avez le lien vers. Vers la playlist Germiland et là c'est le lien direct vers le morceau. Et sinon sur la chaîne, attends, Nyugaku, j'avais pensé aussi, ouais, Nyugaku Shio, playlist Germiland, voilà, c'est ça, copier le lien, tiens, voilà, là t'as pomme V, hop, là t'as la playlist entière. La playlist Germiland avec les morceaux de Game Chop. De temps en temps, il y a des morceaux de jeux vidéo. Hein, on a vu Wind Waker tout à l'heure et j'en passe, c'est des meilleurs. Ils y sont pas. Hein. Ceux-là, ils y sont pas parce que c'est en local. Ils sont pas sur Spotify, bien entendu. Mais là, tu as la playlist intégrale de la playlist Germiland avec des morceaux de chez eux, de Game Chop que j'ai choisi. Faut que je prenne un peu de temps pour ajouter des morceaux différents. J'aimerais bien étoffer un petit peu la playlist et vous proposer d'autres sons, mais dans le même esprit, hein. Dans le même esprit, les copains. Toujours dans le même esprit. Let's go! On continue. Alors, benkyo shiyo to omotte imasu.
Voilà, voilà cette intention. Je laisse le kanji là pour vérifier après si j'ai bien fait mon kanji de BenQ. Ah bah attends, d'ailleurs vous l'avez écrit. Oh putain, ça m'a l'air d'être ça. Oh punaise. Ouh, je crois que je me suis pas planté. Genre il avait un taf de merde au Combini, donc il veut retourner s'accrocher à ses études. Gambate. Gambate. Bon courage. Bon courage. J'aurais pu utiliser Nyogaku à entrer à l'université. Non, Nyogaku D. Je sais pas si on dit D. C'est Ni plutôt. Nyogaku Ni. Daigaku Ni Nyogaku Shimasu. Ouais, je rentre à l'université. Pas D. On va utiliser D. On va rester sur D. Niban. Niban. Kondo no Yasumi wa Kodomo o Dobutsu en e Nanana to omotte imasu. Kondo, alors Kondo, là vous voyez, vous reconnaissez le kanji de le premier là, ima, de maintenant, et do, c'est la fois, là on le retrouve juste ici là, ichi, do, une fois, donc là c'est maintenant, fois, la fois de maintenant, cette fois, no, yasumi, les vacances de cette fois, les vacances de, les vacances, ouais, les, pour les vacances de maintenant en fait, je dirais, Kondo no yasumi wa, Kodomo, les enfants. O, Dobutsu en. Dobutsu en. Alors, Dobutsu, c'est les animaux, hein. Dobutsu no Mori. Vous vous en souvenez, on en a parlé l'autre jour. Dobutsu no Mori, le fameux jeu vidéo Animal Crossing. Dobutsu no Mori, la forêt des animaux. Là, on parle de Dobutsu en. Dobutsu en, c'est le parc des animaux, hein. Ben là, en l'occurrence, c'est le zoo. Le zoo. Et, ah, on retrouve et. La direction. Et. To omotte imasu, donc bah là ça va être aller, ça va être aller, aller, c'est iko to, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois, iko, donc là ça va être facile, iko, iko to omotte imasu, j'ai l'intention d'aller, cette fois pendant les vacances, j'ai l'intention d'aller avec les enfants au zoo, au Dobutsuen j'allais dire. Ok, cool, j'ai réussi à le trouver ailleurs que ce. Oui, de toute façon, GameChop, toutes les playlists là, de GameChop, tu tapes GameChop et ils sont sur toutes les plateformes, Apple Music, Spotify, Napster, Voila Music, Lycos Music, enfin tout ce que tu veux, ils sont partout. Ils sont partout. AOL Music, j'ai oublié, et Tiscali Music aussi. Tiscali Music. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, 3615 Music. Écoute le streaming en live sur Minitel, en son mono, 3 bits, incroyable. C'est pas drôle avec cette particule, pas assez de liberté. Ah bloqué. Troisièmement. Niwa ga aru uchi ni hikoshi... Waouh. Niwa ga aru uchi ni hikoshi... Shimashita kara. Ok, hikoshi shimashita kara. On est bon, vous voyez, hein, trop de hiragana, du coup je bug. Niwa ga aru uchi ni hikoshi shimashita kara inu o blablabla to omotte imasu. Ok. Bah, c'est cool, moi qui utilise la pomme pour les musiques, ça fait grave plaisir. Bah écoute, fais-toi plaisir. Kaza. Oh, j'ai oublié Kaza. Mais ouais, Kaza. Ah, trop bien. Merci, 3615. Je suis pas sûr que ce soit Iko à cause de la particule Wo. Genre en français, on dirait pas je vais aller les enfants. Ah. On va voir. On va voir la correction, ce qu'ils me disent. Shinze. Ouais, vas-y. J'y ai pensé en plus. J'y ai pensé, Konigun, de parler de Shinze. Shinze, c'est un ami à nous. C'est un ami à nous qui sort son deuxième album. Deuxième album, il vient de le sortir. Et j'ai écouté le bout d'un premier morceau. Là, il a passé sur Insta vite fait. J'ai dit putain, c'est trop chill, c'est trop bien posé et tout quoi. Et faut que je l'écoute. Et ouais, n'hésitez pas à découvrir. Ça va peut-être vous plaire. Je vais pas vous faire style, ouais, je l'ai écouté et tout. Non, j'ai juste entendu les 30 premières secondes d'un morceau. Je me suis dit, putain, c'est trop chill, c'est trop bien. Faut que je l'écoute. Et quand je l'aurai plus écouté, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, revenons à notre phrase. Niwa. Niwa, c'est le jardin. Niwa ga aru. Aru, c'est le verbe de présence, donc présence de jardin. Uchi. Uchi, donc voilà, une maison avec un jardin. Ni. Dans une maison avec un jardin. Hikoshi.
Hikoshi shimashita kara. Donc là, Hikoshi, c'est... Alors attendez, je vous souligne. Hikoshi, voilà, on arrête là. Et ensuite, on a shimashita kara. Ok, y a beaucoup de chi qui s'enchaînent les uns derrière les autres, mais il faut bien se distinguer. Hikoshi, c'est le déménagement. Shimashita, c'est faire, donc faire au passé. Et kara, la justification. Parce que j'ai déménagé dans une maison avec un jardin. Voilà, c'est ça la traduction. Inu o, blablabla, to omotte imasu. Inu o, donc là, le chien il pense prendre un chien. Il pense élever un chien. Est-ce qu'on va utiliser élever? Aou. Le verbe aou. Parce que to, prendre un chien, c'est... je sais pas quel verbe je peux utiliser. Inu o... Kau. J'ai dit Aou, c'est Kau. Kau. Ouais, Kau. Inu o Kau. Je pense que je vais utiliser ça. Moi, j'ai bien envie de prendre ça. Je vais pas utiliser Motte. Prendre dans genre. J'ai pris Mochimas. Je vais utiliser Aou. Kau, pardon. Kau. Inu o Kau. Alors, K-A-I-U-E-O. K-O. Inu o Kau. Comment on écrit Kau. Kao to omotte imasu. Kao to omotte imasu. Salut Dani. Salut Dani, comment vas-tu? Comment ça va? Bienvenue aujourd'hui. Ça va bien aujourd'hui? Je fais un test de japonais. Hier, on a révisé la leçon 31 et là, je suis en train de faire le contrôle qui va avec. Donc là, je suis à livre fermé, je me démerde et j'essaye de faire l'exercice avec mes connaissances. Et du coup, bah, on blablate, on parle de tout ça, etc. Et tout, quoi. C'est assez amusant, très très amusant. Bienvenue à toi. Essaye ce lien. Fais voir pourquoi le premier lien, il marche pas. Ah oui, problème de sécurité. Oula, Shinze Music, il fait peur là, faudra lui dire à Shinze. Et le deuxième lien... Ah, deuxième lien, c'est bon, ça marche. Ah, parfait. Je sais pas si je peux les diffuser sur le live. Je sais pas, faut que je lui demande. Faut que je lui demande, mais j'ai peur de me faire strike par le copain bot, là. Le vilain bot. Ça peut être rigolo, si la musique colle bien avec ce que je fais, là, de faire une petite diffusion, ça peut être cool. Ça peut être très très cool. Je vais bien, merci. Ah, ça fait plaisir à l'entendre. Ça fait plaisir. Je commence à manquer d'eau, je vais aller faire un refill. C'est moi qui gère ses droits. Ouais. Alors ça je sais que la gestion des droits, c'est que c'est toi qui l'as fait, parce qu'on en avait déjà parlé. Mais le gentil bot DMCA de Twitch, en général, lui, il s'en fout, quoi. Il dit tiens, musique, ah, il y a des droits, ah, boum. Voilà. Donc si tu me dis, tu me donnes les accès juste comme ça, je sais pas comment ça se passe avec Twitch si tu as de la musique qui est avec des droits, qui n'est pas libre de droit, mais que tu la diffuses avec l'autorisation des ayants droit. Est-ce qu'on doit avoir un papier ou quoi, machin, etc. Quel est ton avis sur Duolingo? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de l'utiliser? Est-ce que Duolingo est en français? Français, japonais. Faut pas mettre le S. Oh, ça existe encore des sites sans le S? Sans la sécurité? C'est plus... C'est pas très WHQL tout ça, Konigun. Je crois que tu peux plus. Enfin, c'est les sites maintenant, si t'as pas le secure, tu te prends une alerte. Non. Alors, non, ne l'utilise pas. À moins que tu sois natif anglais et que tu sois bilingue 100%, je veux dire que ta langue natale ce soit l'anglais, oui, mais sinon, non. Moi, je l'ai utilisé 15 jours, frustration, puissance 1000. Je faisais des erreurs, non pas à cause du japonais, mais à cause de l'anglais. Ma traduction japonaise était bonne, mais mes exercices étaient faux parce que je répondais mal en anglais. Au final, je travaillais plus mon anglais que mon japonais. Donc j'ai dit, bah ok, l'application a l'air sympa pour faire une petite révision comme ça. Pas utiliser au quotidien. Au quotidien, rien ne remplacera une vraie méthode. Minna no Nihongo, comment il s'appelle, Maneki Neko, etc. etc. Non. Malheureusement, Duolingo, c'est de la répétition. T'as pas vraiment d'explication grammaticale. Tu sais pas pourquoi tu utilises cette particule-là. Ok, bah tu vas répéter. Ah, il y a marqué ni là. Bah, on va utiliser tout le temps cette particule ni. Bah, là, on vient de voir que la particule ni, elle peut remplacer la particule et. Mais du coup, tu le sais pas.
Tu vois, il manque je pense que c'est un bon complément dans l'apprentissage, genre t'es dans le train, t'as pas tes bouquins, tu veux réviser viteuf, hop, tu veux t'endormir, t'as besoin de réviser 10 minutes, ok, tu te fais un petit Duolingo vite fait. Mais seulement ça pour apprendre le japonais, je pense que c'est... Je pense que tu vas galérer, que ça va être frustrant. Après, ça dépend de ce que tu veux faire. Hein. Comme d'habitude, hein, la première question que tu te poses, la première question que je pose en général, quand on me demande un conseil sur quelque chose ou quoi, c'est quel est ton objectif d'apprentissage ? Qu'est-ce que tu veux faire en japonais ? Qu'est-ce que tu veux apprendre ? Jusqu'où tu veux aller ? Tu veux juste apprendre, dire « Bonjour, je suis Jérémy, où sont les chiottes ?» Ok, prends Duolingo. Je vois pas te compliquer la vie à prendre des livres, à acheter 150 balles de bouquins et à voir un sensei toutes les 10 minutes. Non, t'as pas besoin de ça. Si par contre tu veux l'apprendre comme un écolier japonais, ouais, Duolingo, ça va être chaud. Ça va être chaud. Sur iOS, il y a une appli qui s'appelle Apprendre le japonais sensei que je trouve pas mal. Ah, ça je connais pas. Oh, je connais pas. C'est exactement l'impression que j'ai eu en l'utilisant, c'était pas ouf. Bah déjà, le fait que ce soit pas en français, ça bloque pas mal dans l'apprentissage. Ça crée... Moi, en tout cas, ça m'a créé beaucoup de frustration parce que je perdais tous mes cœurs, pas à cause des erreurs que je faisais en japonais, mais des erreurs que je faisais en anglais. Donc déjà... Tu peux pas avancer, tu peux pas progresser. Ça dépend des goûts. J'aime bien ce matin. Écoute l'album et dis-moi. Ah ouais, j'ai trop hâte de l'écouter l'album. J'ai trop hâte de l'écouter. Et Océan d'ailleurs, il est dessus, je crois. Dis-moi, tu diras c'est laquelle des musiques de ta playlist qui est la meilleure. En tout cas, c'est très chill. J'aime bien. Oh, trop bien. En plus, il a fait un duo avec Japs, j'ai vu là. Japs, c'est un ami à nous aussi. Donc c'est trop cool. Ça fait trop plaisir de voir des têtes que je connais se lancer dans un projet comme ça. C'est trop génial. Donc du coup ouais, ça c'est dans ma to-do list. Et salut Satan, bonjour, bienvenue Satan. Comment ça va? Ça va bien. Si jamais vous voulez le suivre, Jabs va sortir son... Mais Jabs aussi fait un album, t'es sérieux? Ah, ça je savais pas. Ah, trop bien. Ah, trop bien, trop cool. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est des amis que j'ai pas vu depuis longtemps aussi. Donc c'est cool. Ils ont eu des beaux projets. Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Je fais un test de japonais là. J'apprends le japonais. Je vous partage mes sessions de révision japonais. On discute, on parle de tout ça. Et puis voilà. Bah, le but c'est d'avancer sur cet exercice là, de discuter autour de ça et de voir peut-être toi tu sais tu apprends le japonais, t'as peut-être besoin d'aide, t'as peut-être besoin de conseils comme c'était le cas de Dani. Eh bien, t'es le bienvenu en tout cas. N'hésite pas à te poser et n'hésite pas à nous partager ton apprentissage si jamais il y a besoin. J'adore les cigales en fond sonore, elles me manquent. Ah mais on les entend beaucoup les cigales, je m'en rends pas compte. Trop cool. Allez, on avance sur le quatrièmement. Merci, avec plaisir. Quatrièmement. J'avoue, aujourd'hui, elles sont particulièrement bruyantes. Mais moi, ça me gêne pas. Hein. C'est comme d'habitude. Quatrièmement. Mira-san ni oishii keki no tsukutari kata o oshiete moraimashita kara jibun de blablabla to omotte imasu. Oh, alors là, on a une super phrase avec plein de points de grammaire qu'on a pu voir pendant les sessions de révision précédentes. C'est parti, on va essayer de comprendre ça. Mira-san ni, donc de monsieur Myler, à partir de lui. Oishii keki. Oh, alors là, on a Oishii keki, donc un gâteau délicieux. No tsukurikata, donc tsukurimasu, ça vient du verbe tsukurimasu, hein, fabriquer, faire, concevoir. Et là, kata, donc c'est la manière de faire, la manière de construire, la manière de cuisiner, en fait, la manière de préparer, plus exactement, dans le contexte, parce que là, on est sur oishii keki. Et juste entre les deux, on a la particule no, hein, donc je vous rappelle que quand on a no, il faut lire dans ce sens-là, hein, toujours, hein, c'est
a le sens à l'envers, un peu comme l'apostrophe S, Jeremy's car, la voiture de Jeremy. Donc, tsukurikata, oishi keiki no tsukurikata, la manière de préparer un délicieux gâteau. La manière de préparer un délicieux gâteau. Oh, la particule de COD. Oshiete mo... Alors, oshiete... Mila, oui, c'est Miller, Monsieur Myler. Et pas Mila, comme j'ai pu penser pendant un moment. On te... Quoi, comment? Comment quoi? oui, c'est Monsieur Myler. Mila-san, c'est Monsieur Myler. Et les personnages sont présentés au tout début du livre. Au tout début du livre, il y a avant la première leçon, il vous présente les personnages et Monsieur Myler. Bah, tu vois la photo de Monsieur Myler, etc. Tu as tous les protagonistes les plus récurrents des bouquins. Donc, jetez un coup d'œil à ça. Ça peut être pratique pour avoir le contexte, pour avoir le contexte de la phrase et savoir qui est en train de parler, quel est le sexe de la personne et surtout l'âge de la personne. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est une personne âgée? Et du coup, on comprend mieux pourquoi on parle de Chan à Teresa, parce que c'est une enfant, Teresa. Il y a Karina-san. Karina, c'est une dame. M'en fous, pour moi, ça restera Mila. Ok, bah voilà. Son opération de changement de sexe s'est bien passée pour Monsieur Myler. Monsieur Myler est devenu Monsieur Mila. Non, mais je l'ai vu dès le début. En fait, ma prof a eu la gentillesse de me présenter dès le début. Alors, Monsieur Miller, Mila-san, c'est Monsieur Myler. Ok. Et non. Bon, bah, du coup, pas de problème. Par contre, c'est Monsieur Taku hein, qui m'a plus posé problème. Hein. Taku-san, lui, il était plus compliqué à capter. Alors, Oshiete. Oshiete. Et là, juste derrière, on a Moraimashita. Alors, Oshiete. Oshiete, c'est le verbe enseigner, apprendre. On m'a enseigné, on m'a appris. Et moraimashita, donc là, on a la forme te plus moraimas. Donc, c'est j'ai. C'est il m'a enseigné, il a eu la gentillesse de m'apprendre comment préparer, la manière de préparer un cake délicieux. Donc, il m'a enseigné cette manière-là. Te morau, c'est pour dire, pour exprimer, j'ai fait ça grâce à cela. C'est par lui, en tout cas, c'est Monsieur Myler qui a eu la gentillesse de m'enseigner la manière de préparer un gâteau délicieux. Et on finit avec le kara, parce que Monsieur Myler a eu la gentillesse de m'enseigner comment préparer un cake délicieux. Voilà la traduction de la première phrase, qui avait l'air très compliquée, mais au final, ça va. Jibun de, soi-même, par soi-même, jibun de, nanana, to omotte imasu, j'ai l'intention d'en préparer un moi-même. Donc là, ça va être, on va reprendre le verbe tsukurimasu. Tsukurimasu a la forme à la forme volitive, pardon. Tsukurimasu li la li lule lo tsukuro. Tsukuro to omotte imasu. Tsukuro to omotte imasu. Tsukuro to omotte imasu. J'ai l'intention d'en préparer. On traduit la phrase une dernière fois, tous ensemble. Allez, c'est parti. Comme ça, on a la phrase. Parce que Monsieur Miller m'a enseigné comment préparer un cake délicieux, un gâteau délicieux, j'ai l'intention d'en préparer un moi-même. J'ai l'intention d'en préparer un moi-même. Trop bien. Trop cool cette phrase, j'adore, super. Ça c'est une superbe phrase de révision, il y a plein de points qu'on a vu avant, etc, et tout, c'est trop bien, trop bien cette phrase, ça c'est le genre de phrase que je surkiffe. Je reviens sur vos messages, bienvenue à toi, il était nouveau ici, mais oui, Satan vient de débarquer, salut à toi. d'ailleurs, Mila, c'est Monsieur Miller, oui, quoi, comment, mon fou, ça restera Mila pour moi, je suis pas le seul, Miller qui apprend à faire un bon cake, c'est peu probable quand même, les Anglais sont pas connus pour la bonne bouffe, ouais, bon, après, attention, il y a des exceptions qui confirment la règle, hein, et puis, regarde Jamie Oliver, par exemple, super chef anglais, moi, j'adore, après, bon, les stéréotypes vont bon train, hein, mais maintenant, hein, avec Internet, tout ça, je pense que ce genre de vision, elles sont plus présentes parce qu'on a l'habitude de dire ça et je pense qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé. Never et demi. Never. Oh putain. Je de mots Ramucho, Konigun.
s'il vous plaît. Attends, on la refait. Jeu de mots, Ramucho, Konigun, bravo Konigun. Les Japonais adorent ça d'ailleurs, les stéréotypes. Ramucho, OMG, ça y est, ça part en rip là. Attention, on va sortir l'émote de la dérive. Attention, on va sortir la Tokyo Sky Tree. Allez, on enchaîne sur le cinquième rang. Je commence à avoir très chaud là. Ça m'embête de vous priver des sigils. Attends, je vais mettre le ventilateur. Je vais plutôt mettre le ventilateur. Bougez pas, je reviens. Voilà. Ah, commence à faire chaud là. Chaud, chaud, chocolat. Ouais, chaud, cacao. Je vous laisse 2 minutes. Il y a un chat qui miaule. Ouh, un chat, un chat. Et Kawid ! Kawid, Kawid qui nous héberge, qui nous héberge. Bonjour Kawid, bonjour les hérissons. Salut, on est sur la page de Kawid. Ça fait plaisir, merci. Merci pour ton hébergement. Et d'ailleurs, en parlant d'hébergeurs, en parlant de soutien, en parlant des amis qui nous soutiennent, il y a Kawid, il y a Makial, Japan Kanke et Guy Tuto qui nous hébergent aujourd'hui. Encore les 3 amis que je viens de citer, qui nous hébergent à nouveau. On est chez eux, on est posé chez eux. Ça fait plaisir. Merci les amis. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Encore. C'est des journées de dingue les amis. C'est des journées de dingue à chaque fois. Chaque jour que je fais un live, c'est incroyable. Il y a plein de personnes qui sont là. Il y a plein de nouveaux arrivants. Il y a plein de nouveaux takoyaki aussi. On a accueilli Major qui est devenu un super takoyaki. Encore merci pour ton sub. Et d'ailleurs, on avance sur le sub goal. On est à 29, on avance tout doucement, tranquillement, mais sûrement vers les 35 pour avoir notre nouvelle émote, ça fait plaisir. Comment ça va, Kawid ? Tu vas bien aujourd'hui ? Aujourd'hui, je fais un contrôle de japonais, je fais un test de japonais. On va voir si c'est dur, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Hop ! Alors, on enchaîne avec le cinquième mot. On enchaîne avec le cinquième mot, c'est parti. Senshu, mini, ita, mansion, oh, ok. Ouf, c'est du compressé là. Ouf, on parlait de phrases simplifiées, de phrases comprimées. Bah là on est dedans. Là, cinquième mot, là c'est pas mal. Donc, senshu, mini, ita, mansion, oh, to, omotte imasu. Eki kara. Chikaishi Yachin mo yasui desu kara. Oh, Yachin. Ah, Yachin, c'est le loyer. C'est le loyer. C'est moi où on entend un max de cigales derrière toi. Mais oui, c'est... effectivement, aujourd'hui, elles sont juste à ma fenêtre, quoi. C'est assez hallucinant. Mais du coup, attends, je vais essayer d'écouter mon live, voir ce que ça donne. J'ai envie d'entendre ce que vous entendez. Ah ouais, effectivement, c'est... Mais en fait, je suis un peu perturbé par le bruit réel des cigales que j'entends, et du coup, je sais pas si je les entends dans le live ou là-bas, donc je vais attendre le soir, et je vais voir ce que ça donne, et je vais réécouter au casque. Ton filtre anti-bruit OBS les coupe quand tu parles pas. Ouais, je sais mais j'ai un décalage sur le... Comment ça s'appelle ? Sur mon retour de stream là, sur mon iPhone, et du coup je peux m'entendre parler. C'est pour ça que je faisais des longues phrases pour m'entendre. T'inquiète, j'ai la technique. Je suis jaloux. Konigun, t'en as pas par chez toi ? Y en a pas à Bordeaux ? Quand il fait chaud aussi, tu dois en avoir quand même. C'est pas que sur le bassin méditerranéen. Alors. Traduisons cette phrase pour commencer. Phrase un peu compliquée. Alors, pas compliquée en fait. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent avec peu de particules. Shiumatsu. Senshu. Donc la semaine précédente. La semaine dernière.
Chikami, salut, salut à toi, merci pour ton follow, bienvenue. Tu es notre 693e follower. Arigato gozaimasu, follow, je t'ai collecté. Arigato gozaimasu. Jérémy, et yokoso, bienvenue, merci pour ton follow. Et on avance tout doucement vers le 700e follower, c'est dingue. C'est incroyable. Alors du coup, ça nous donne Senshu, la semaine dernière, Mini Ita. Alors, là, du coup, c'est aller pour, nanana, pour quelque chose. Donc, Ita, donc ça, c'était aller au passé, et ni, c'est pour faire quoi ? Pour voir, aller pour voir quoi ? Mansion, c'est un appartement, c'est un gros appartement. Et merci, Dani, merci pour ton follow. Ah, t'avais pas fait le follow encore ? Je croyais que tu l'avais déjà fait. Merci beaucoup, merci à toi. Le stream est devenu totalement flou, je vois plus rien. Comment ça ? Ah, ça doit être un problème de connexion, je pense. Si t'es en 4G ou en Wi-Fi, t'as peut-être eu quelque chose qui te pompe la connect et il est descendu en basse qualité, je pense. Parce que moi, sur mes écrans de retour, ça va. Et depuis le début du live, il y a eu 14 frames qui ont drop. Donc ça va. De mon côté, je suis bien. Je pense que c'est de ton côté que ça ne va pas. Ça fait plaisir de trouver des gens de sa ville sur Twitch. Et ouais, c'est cool. Bah, moi, de Nice, il y a Erupto qui est du coin. Il y a... comment il s'appelle ? Barmok. Mais Barmok, il a bougé et il a un projet de partir au Japon là pendant quelques mois. Là. J'espère que ça va pouvoir se faire. Je comprends pas. On vient d'installer la fibre. Ça devrait pas arriver. Des fois, ça m'arrive. Hein. Même moi, j'ai la fibre de temps en temps. Hop. Coucou. Et si on te ramenait au 56K ? Bah, d'accord. Ok. Pose-toi, installe-toi, 56K. Alors, Senshu, Senkonlai, je comprends pas. La semaine dernière, je suis allé voir un appartement. Ah, d'accord, j'ai l'intention. D'accord. Ok, donc là, il exprime l'intention de déménager dans un appartement qu'il a vu la semaine dernière. Et après, derrière, il donne des justifications. Il dit « Ekikara chikaishi ». Ekikara, c'est chikai, chikai, c'est proche de la gare. Et on met « shi » à la fin, là, ici, là, ce dernier « shi », c'est pour faire enchaîner plusieurs qualités. Donc, plusieurs adjectifs les uns derrière les autres. Et « Ekikara chikaishi », yachin mo yasui ». Yasui, c'est peu cher, bon marché, c'est pas cher. Et Yachin, c'est le loyer. Le loyer est aussi pas cher. Là, vous voyez, on enchaîne deux adjectifs de la même valeur de qualité. Hein. On n'a pas un adjectif affirmatif, un adjectif négatif. On enchaîne deux adjectifs, deux i adjectifs, les uns derrière les autres, avec une valeur affirmative, positive, sur cette phrase-là. Donc, on peut utiliser la forme shi. Ekikara chikaishi yachin mo yasui desu kara. C'est parce que le loyer est pas cher et en plus c'est proche de la gare. Il est pratique cet appartement. Il est pratique. Donc du coup il a l'intention de déménager là-bas. Allez, je vous enlève les petits surlignements. Hikoshi shimasu. Alors ça nous donne Hikoshi shiyo to omotte imasu. J'ai l'intention de. Ah, c'est o, pas ni, donc pas hikoshi. Ah, tu peux pas faire. Ah, d'accord. Mais du coup, ça pourrait être quoi comme verbe? J'ai l'intention de d'aller, peut-être. C'est juste iku. Je connais pas ce... Enfin, ces kanji me parlent, Pameton. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ? Hiragana de onegashimasu. Kalimasu. Ah, de louer ! Ah, de louer ! Ah bah oui, aussi bête que ça. Kalimasu, de louer. Mais oui, j'ai l'intention de louer... un appartement. Bon, j'ai répondu ça, donc du coup, je laisse ce verbe-là parce que je suis dans une situation d'exercice avec une notation à la clé. Donc, je vais laisser ce verbe-là, mais je vais noter en dessous kalilu, hein, le verbe irrégulier du deuxième groupe. Hein. Donc, ça nous donne kalimasu, ça nous donnera.
c'est ça le kanji hein. Ouais. Kaliyo to omotte imasu. Je le laisse noter juste en dessous. J'ai l'intention de déménager un appartement. J'ai l'intention de déménager un appartement. Ouais, enfin, ah oui, mais c'est ça que j'ai marqué. Et Kawid qui prend l'abonnement. Merci Kawid. Merci. Merci. Deuxième sub de la journée, les amis. Oh punaise, c'est cool, ça fait plaisir. Merci les copains pour votre soutien, ça fait trop plaisir. Plein de pièces pour toi et des takoyaki du coup pour toi. Merci Kawid, merci pour ton aide. Ah mais ça c'est tellement un classique de moi ça. Mais combien de fois j'ai pu dire que j'ai mangé un restaurant au lieu de dire que j'ai mangé au restaurant. Incroyable, mais c'est incroyable. Ben oui. J'ai l'intention de déménager un appartement. J'ai l'intention de déménager quoi ? Un appartement, c'est pas dans un appartement, ça aurait été ni. Oui, effectivement, ça aurait pu. Ah punaise. Ah ouais, ouais, super. Bah tu vois, voilà, j'adore. J'adore faire ce genre d'erreur. Attends, on va se le souligner en rouge là. J'adore faire ce genre d'erreur pour justement ce genre de discussion. On peut ajouter des ramen en cadeau en plus des takoyaki. Tu crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire. Parce que les ramen, ils vont arriver bientôt. J'espère goûter des takoyaki un jour. Sur Bordeaux, je sais pas. J'ai pas d'adresse à te donner. À Paris, tu peux en trouver. Hein. T'es très très bon. Aucun problème. Mais à Bordeaux. Je sais pas, j'ai pas regardé quand j'y suis passé. J'ai pas regardé. Mais si j'ai une adresse, je te dirai ça, Kawid, avec plaisir. Yongban, on va y arriver à finir ce contrôle ou pas? Il nous reste tout ça. Bon, après, ça va, c'est des blancs là, donc on va pouvoir faire vite. Allez, on va essayer de faire vite. On va essayer de faire vite. Yongban, les. Quoi? Attends, Izanami, pitié de rire, je viens de me rendre compte que j'ai gagné 0 point de chaîne depuis le début parce que je caste le live, j'en ai marre. Ça veut dire quoi que tu castes le live? Vous êtes pas sur le site de Twitch pour regarder le live? Sur la télé? Ah, je suis sur votre télé. Coucou la télé. Coucou le salon. Sur Chrome... Bah, ça te fait pas gagner des points de chaîne, ça? Il me semble que oui. Putain, c'est nul. Oh. Moi, je regarde la télé sur mon Samsung. Sur mon frigo Samsung, personnellement. Ok. Ouais, je suis partout, là. Je suis sur votre télé, sur votre frigo, dans votre iPhone. C'est génial. Force est de constater que j'ai rien gagné depuis 2 heures. Oh, c'est nul. Oh. Oh. Oh, Izanami. Oh non. Les premiers trucs que tu dépenseras en points de chaîne, j'essaierai d'y penser. À la fin du live, je refuserai, je te rembourserai les points de chaîne. Tiens, comme ça, ça te fera un petit retour des choses. Let's go pour le quatrième mot. Kekkon shitara, si je me marie, Ryujin to isshō ni. Pardon. Lyoshin to isshō ni sumimasu ka? C'est un peu bizarre ça. Ok, si tu te maries, Lyoshin, si je comprends bien, c'est avec les parents, avec la belle famille. Irais-tu vivre avec la belle famille? La réponse, yé, une personne de bon sens. Betsu betsuni. Tsumoridesu. J'ai l'intention. Tsumori, là, on utilise tsumori. L'intention, une intention plus forte, une détermination. Non, j'ai la détermination de me barrer. Hein, j'ai la détermination de vivre séparément. Hein. Betsu ni, séparément. Betsu ni. Trop mignon, je t'en prie. No joke, il y a quelques années, j'ai vu un micro-ondes avec une télé intégrée à la porte. Au big camera,
c'était très cher. Ça m'étonne tellement pas. Mais ça m'étonne tellement pas. Oh, mon Dieu, le big camera. Big camera. Ta. J'ai la musique en tête. Et putain, je pouvais passer des heures là-bas. Oh, c'est génial. Ce magasin est génial. Allez, let's go. Ichiban. Ichiban. Kore kara mo ima no kenkyu o tsuzukemasu ka? これからも今の研究を続けますか? OK. え、将来もずっとなななつもりです. Alors, これから, donc, à partir de maintenant, maintenant aussi, même encore maintenant, ima no kenkyu. Alors kenkyu, c'est les études. Mais il me semble que c'est les études post-universitaires après la licence. Kenkyu no ima, les études de maintenant o tsuzukemasu, continuer les études. Est-ce que tu vas, grosso modo, il lui demande s'il va continuer les études. Et il dit, shorai mo, même dans le futur, zutto, certainement très. Donc là, il y a vraiment un adverbe de puissance là où on vient rajouter. Mais oui, vraiment, il a cette ferme intention de continuer. Donc à mon avis, on va réutiliser tsuzukemasu à la forme volitive tsuzukeyo. Je suis pas très sûr. Hein. Là, la traduction là, un peu chaude là. J'irai, on ira traduire ça dans le détail après. Tsuzukeyo Massachusettsu. Exactement, Konigun. Niban. Lainen Daigaku in no shiken o ukemasu ka? Ah, parfait. Alors, Lainen, l'année prochaine, Daigaku, c'est l'université, et Daigaku In, c'est ça, c'est, Kenkyu, c'est plutôt les recherches, et Daigaku In, c'est les études post-universitaires, j'ai fait une confusion. Donc, l'examen de post-universitaire de l'année prochaine, Ukemasu, c'est passer l'examen. Passeras-tu l'examen post-universitaire l'année prochaine? Question. Iye, donc là, on a la négation. Attends, par contre, j'ai fait une bêtise. Chotto, mate. Ça, c'est une forme neutre que je dois mettre. Je confonds. Avec tsumori, c'est forme neutre ou forme nai. Donc, ukeru. Ukeru tsumori des. C'est bon. Donc tsumori des, c'est verbe à la forme neutre ou verbe à la forme nai. J'ai fait une bêtise, mais c'était une faute, ça. Oui, mais je m'en suis rendu compte tout seul, Pameton. Là je me suis rendu compte tout seul, donc c'est pas vous qui m'a dit ah Jérémy, tu t'es planté. C'est moi, j'ai dit, mais attends, mais je suis en train de faire une bêtise. Tu vois, là, c'est pas pareil. Là, j'ai le droit de me corriger. C'est comme quand t'es en contrôle. Quand t'es en contrôle et que tu te dis, mais attends, mais j'ai mal répondu tout à l'heure. Tu te relis. Je pense que quand tu fais un contrôle, tu te relis. Là, c'est pareil. C'est fou, toutes les musiques de nostalgie que tu nous ressors sur tes streams, tant de souvenirs. Ah, oui, Kawin. Je vais en rajouter en plus. Je vais en ajouter très prochainement. Alors là, il va pas le faire. Iye ukenai tsumori des. Oh pauvre. Attends, je refais tout parce que même le kanji, il est horrible. Il est pas mieux là. Ukenai
Sumorides. C'est une playlist ou un mix d'ailleurs. Alors, il y a une playlist. Aujourd'hui, vous êtes très intéressé par la playlist. Tenez, voilà la playlist que j'utilise pour les morceaux libres de droit qui ont été composés par GameChop. Avec les petits remixes un peu, comment dire, un peu chill de Pokémon, de Zelda, de Mario, il y a du Sonic aussi, il y a du Splatoon un petit peu, il y a un ou deux morceaux de Splatoon. Donc ça, vous retrouvez la playlist Germiland. Et après, il y a des morceaux de jeux vidéo purs, hein, comme là, on est en train d'entendre, Luigi's Mansion, pas du tout. On est en train d'entendre Mario Sunshine. Et oui, il y a un mix entre plusieurs playlists, playlists de vrais morceaux de jeux vidéo, hein, des morceaux originaux et des morceaux remixés. Et ben oui, GameChop, bien évidemment. Je vois que tu connais toi aussi. Allez, Samban. Osaka, Made, Osaka en français. Avec le beau Z, le wasabi. Osaka, Made, Shinkansen, te ikimasuka. Iriez-vous en Shinkansen jusqu'à Osaka. Iye Kurumade. J'y vais en voiture. Alors, Iye Kurumade Ikutsu Sumoridesu. Ah zut, j'étais en gomme. Ah, l'histoire de ma vie, la gomme. Iye Kurumade Ikutsu Sumoridesu. Non, j'ai l'intention d'y aller en voiture. Germiland, tu devrais mettre dans une commande de bot au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. C'est une bonne idée, les amis. C'est une bonne idée. Ça peut le faire. Là, j'ai de la chance, elle est dans le presse-papier. C'est dans le presse-papier. Yamban. Natsu Yasumi ni. Ah, on y est. Les vacances d'été. Natsu, l'été. Yasumi, le repos de l'été, les vacances d'été. Natsu Yasumi ni. Pendant les vacances d'été. Arubaito o shimasu ka. Arubaito, il me semble que c'est que ça vient de l'allemand. C'est un petit job. Arubaito o shimasu ka, allez-vous faire un petit travail pendant l'été. Iye arubaito wa. Non, j'ai pas l'intention de le faire. Arubaito wa blablabla tsumori desu. Shiken benkyo o shinakereba narimasen. Je dois étudier mon examen. Ok, donc là on utilise le shinakereba narimasen, c'est l'obligation de faire quoi? C'est marqué juste derrière, shiken benkyo, hein, l'étude de l'examen. Donc là il va pas faire, donc arubaito wa shinai tsumori desu. Ok, quatrièmement, fini. Oula, toujours pas fini l'exercice 4, c'est encore des révisions. Non, on vient de finir l'exercice 4. C'était pas moi. J'étais au cinéma, j'ai un alibi. Cinquièmement. Ouh, avec la musique qui fait peur. Musique qui fait peur à Barnock. Ouh, il a l'air chiant celui-là. Ouh, il a l'air chiant. Vous le voyez l'exercice chiant là? Regardez, il est même marqué en rouge en plus. Oh là là, exercice chiant. Deux exemples en plus. Les Ichi. Tenkin wa itsu desu ka? C'est quoi ça, Tenkin? Tenkin wa itsu desu ka? C'est quand le Tenkin? Lainen no sangatsu desu. Lainen no sangatsu no yote desu. Ok, donc là, il faut utiliser yote pour dire que c'est prévu, que c'est programmé. Je vois le 6 en bas qui indique que les échecs ne seront pas pour Kyo. On va voir. On va peut-être un peu accélérer. Je comprends. J'ai oublié ce que c'est Tenkin. Il y a une notion de véhicule, je crois. Parce qu'il y a Ten... Ah, je sais plus. Mouvement. Quand est-ce que c'est prévu? Moi, le son était parfait. J'avoue, il est trop bien passé. Hikoki wa nanji ni tsukimasu ka. L'avion arrive à quelle heure? Yoji ni jugo fun ni
tsukimasu. Donc du coup là il faut transformer, là on a un verbe, donc le verbe c'est à la forme neutre, donc c'est tsuku tsumori yote des, et là comme on est sur un nom, yote des, donc c'est sangatsu no yote des. Ok, ça marche. Tenkin, changement de poste, mutation, transfert. Ah merci Zanami, merci. Oui, il y avait cette notion de mouvement. On n'était pas sur un véhicule, mais on était sur un mouvement. Quand est-ce que c'est ton transfert? C'est le mois de mars de l'année prochaine. Ok. Ne pas confondre avec Tenshoku. Tenshoku. Nan desu ka Tenshoku? Source Imiwa. Arigato Imiwa, Imiwa, Imiwa-kun. J'adore Imiwa. Allez, let's go. Premièrement, comme ça on va essayer de jouer aux échecs un peu. J'ai envie de jouer aux échecs, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Kaigi, la réunion. Wa nanji ni owarimasu ka? À quelle heure se termine la réunion? Yoji ni owarimasu. Elle se termine à 4h. Yoji ni owarimasu. Donc là c'est terminé, c'est, il faut le transformer à la forme neutre. Donc c'est owaru. Yoji ni. Oh, oh super, je suis une vraie chaîne, je me fais spam bot. Quelle chance, quelle chance. Attends, comment on coupe les sons? Hop, chute, chute. Hey, monsieur Cacao, t'es dans le coin? Hop. Boum. Bon, c'est des faux, hein. C'est des faux, les amis. Hein. Boîte d'alerte. Hop. Voilà, on voit plus rien. Il y a... Je viens de me faire spam bot. C'est pas grave. Attends, je vais mettre un marqueur. Hop. Et comme ça, on supprimera les followers qui n'en sont pas réellement des vrais. Tac. Le mec a payé pour avoir des follow. Ouais, non, mais le plus triste, c'est le mec qui a payé pour envoyer des bots pour faire ça, quoi. Achète-toi une vie, mec. Achète-toi une vie, achète-toi une utilité, quoi. Je comprends pas. À moins que ce soit des vrais follow. Hein. Désolé, les copains. Oups, j'ai mis les pieds dedans, quoi. Triste personnage, ouais. Bon, de toute façon, il mérite même pas qu'on s'y attarde, donc on va continuer notre exercice. Yoji ni owaru. Yoji ni o. Comment on fait wa comme ça? Owaru tsumoride. Owaru yotedes, pardon. Owaru yotedes. Voilà, c'est prévu de terminer à 4h. Je sais pas, connu. On en parlera en off. J'ai pas envie de donner de la visibilité ou de l'intérêt à ce qui vient de se passer. Donc voilà. Osef. Osef. Deuxièmement. Kekkonshiki wa nanji made desu ka? Kekkonshiki wa nanji made desu ka? Kekkonshiki, alors kekkon c'est le mariage, ki c'est la cérémonie, kekkonshiki la cérémonie de mariage, wa le thème de notre phrase, nanji quelle heure, made jusqu'à quelle heure? C'est jusqu'à quelle heure? Oh punaise, ah ouais, la cérémonie de mariage jusqu'à quelle heure? C'est vrai que c'est quelque chose que tu poses comme question quand tu commences à, quand t'arrives à un mariage. Putain, jusqu'à quelle heure la cérémonie là? 3 heures? Il est 11h! Oh mon dieu, et là tu prévois. Alors, où sont les chiottes? Où est le gueuleton? Où est le combini du coin? Je dois sortir acheter à manger. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, tu vois, voilà, c'est la complication. Je dois acheter à manger, aucune idée pour l'inspiration. Achète-toi des raviolis à la daube sauce niçoise. Voilà. Easy. Des farcis. Oh, j'ai envie de faire des farcis. Oh, je meurs d'envie de faire des farcis. Oh là 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 là, j'en ai fait plein de fois, hein. Je vous en ai envoyé plein de photos de farci sur le Discord des amis. Hein. Ça va retomber, hein. Je pense cette semaine ou semaine prochaine, il y a du farci qui va se faire. Hein. Miam miam, connard. Moi aussi je t'aime, Konigun. Let's go. Alors, Niji Madedes, donc là c'est Niji. Petite salade, tomate mozza, avec des capres. Miam miam. Niji made no yote desu. C'est prévu de terminer à 2h.
Thon mayonnaise. Ah oh, ouais, thon mayonnaise, j'adore ça. Oh, un bon sandwich thon mayo. Pasta box. Oh mon dieu. Izanami, c'est le grand écart. Pasta box, homard. Choisis ton camp, camarade. Mais voilà quoi. La vraie nourriture, pas de la bouffe industrielle, ouais. Kebab avec du supplément boursin. Ok. Ouais, là t'en manques de fromage, Pam-ton. Ceci dit, j'ai vu que le kiri était moins cher au Japon qu'en France. Hein. Premier combiné, je vois du kiri. J'ai dit putain, mais. 120 yens 120 yens le kiri. J'ai dit mais en France, c'est 2,50€ le kiri. Hallucinant. Hallucinant. Ouais, j'en donne à ma fille du kiri. Mais il est super pas cher le kiri au Japon. Du coup, ça se dit kiri. Ça me fume. Samban. Kashu no. Attends, pardon. Kacho. Ah, kacho, d'accord. Kacho no gogo no yote ga warimasuka. Ok. Et il y a le drapeau français sur la boîte. Oui, je sais, j'adore. Oh, elles sont trop stylées, les boîtes de kiri au Japon. Trop stylées. Ils ont du tartare à la fraise. True story. Non, mais normal. Non, mais, moi, ça me choque pas. Je pense que tu vas en choquer quelques-uns sur le chat, mais moi, ça me choque pas. Les sandwichs à la fraise, les sandwichs aux fruits là-bas. Oh, c'est tellement bon. Tellement bon. Kacho. Bucho. C'est le chef Kacho no gogo. No yote. Ga wakarimasuka. Comprenez-vous, connaissez-vous le planning de l'après-midi du chef? Ok. Shiten e ikimas. D'accord, il va à la succursale. Donc shiken e iku tsumori des. Iku yote des. Hop, shiten. Shiten, on l'a révisé hier, la succursale e iku. Iku Yotedes. Il a l'intention. C'est prévu d'aller à la succursale. Yamban. Natsu Yasumi wa nani o shimasuka. Qu'est-ce que tu vas faire, Natsu Yasumi? Ishukan Hokkaido o Lyoko Shimas. Bon, on va juste mettre Lyoko Shimas, hein, parce que je ne vais pas tout écrire. On va avancer un petit peu. Donc là, c'est Lyoko Shimas. Ça termine par un verbe. Donc du coup, c'est le verbe à la forme neutre. Lyoko suru. Lyoko suru. Lyoko suru. Blablabla. Ça bouge pas. Hein. Ishukan Hokkaido. Hein. Le chemin vers la mer du Nord. Littéralement, Hokkaido. J'adore ce mot. Le truc qui m'a fait rire au Japon et qui me fait encore mourir de rire aujourd'hui, c'est les apéricubes et leur nom japonais. Apéricube, apéricubu, belu cube. Quoi? Sérieux? Mais c'est quoi ça? Ils osent mettre le drapeau de la France là-dessus, c'est scandaleux. Ah ouais? Ah ouais? Eh ben voilà, le tartare. Oh mon dieu! Mais c'est... Mais attends! Mais c'est les petits trucs que touffent comme ça, là! Comment ça s'appelait, là? Les petits... Oh putain, les fromages! Le fromage, quand on était gamin, il s'ouvrait comme ça. Mais il n'existe plus, ça! Comment ça s'appelle, ça? Avec la petite coque. C'est des petits louis? C'est ça, les petits louis? Oh, j'en veux! Mais ça se vend encore? Ça se vend encore? Ça existe? Ça existe encore? J'en veux. Need. Mais need. Oh, je veux manger ça à midi. Je vais envoyer un message. Si, ça existe encore. Oh, je veux des petits louis. Mes gamins kiffent. Oh, mais moi aussi, je kiffe. Oh, ce que j'adorais faire quand j'étais gamin, c'était... Tu tirais les deux petites languettes à peine. Tu voyais que ça commençait à s'ouvrir. Et le but, c'était de... GG. Tu tires d'un coup et t'essaies de faire sauter le petit louis et... Hop, tu le gobes d'un coup. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, putain. Oh, ça va faire péter du petit louis, les amis. Oh, merci. Oh putain, tout ça pour du tartare à la fraise. Mais du coup, c'est du tartare. Non mais attends. Mais le cross de malade, c'est fraise. La fraise croise le boursin qui croise le petit louis. Sugoi. Moi, je tire fort pour le gobelin. Mais oui. Mais oui. Mais oui, j'ai remis des rives. C'est ça, Kamitaizai. On va se la faire, cette émote.
les copains là, les 50 follow là, les 50 bots là, vous voulez pas plutôt sub à la chaîne là, au lieu de payer des bots pour faire des faux follow, faites des subs quoi, c'est plus sympa, comme ça on a des émotes cool, soyez cool, voilà, s'il vous plaît, faites ça, putain, sois utile dans ta vie mec, au lieu de payer des bots à la con. Paye des subs aux gens, mets-nous bien quoi, sois sympa. Bon, remarque, je suis une vraie chaîne maintenant. Ça y est, j'ai eu mon premier raid de bot. Youpi! Youpi! Faut que je mette des feux d'artifice. Je dois vous laisser, plus matané comme Itaizai. À la prochaine. À la prochaine. Je vais poster sur le Discord la feuille corrigée. Je la posterai sur le Discord, comme ça vous pouvez voir ce que ça a donné. Allez, on termine. Suffit les bêtises. Suki Iko Iki Suki Ryoko ni Iku Hito wa Nanin Gurai desu ka. Ok, donc combien y a-t-il environ de personnes pendant le voyage combien de personnes sont venues? Combien de personnes environ sont-elles venues pour le voyage au ski? Goju nin gurai desu. Environ 50 personnes. Donc du coup, ça nous donne gurai no yote desu. C'est prévu environ 50 personnes. Pamton, on renvoie encore un fichier. Qu'est-ce que c'est? Belle cube. Putain. Ah, mais tu sais pourquoi c'est Belle? Parce que c'est la marque Belle. Parce que la vache qui rit, la vache qui rit, c'est une succursale, on va dire. C'est une fausse marque en fait. Et la marque, la maison mère, c'est Belle. Et c'est pour ça, c'est les cubes de Belle, de la marque Belle. Faut que j'aille au petit coin les copains. Je vous laisse avec le micro. Tenez, je vous laisse discuter avec le micro. Je vais faire un petit pipi. Je reviens. À tout de suite. C'est mieux de dire à tout de suite avant de couper le micro. Maintenant, je coupe le micro et là, vous ne m'entendez plus. Vous m'avez donné faim avec ces histoires de fromage, hein, les amis. Ah, j'ai faim. Il nous reste un exercice à finir. Allez, on va arriver au bout de ça. Il me semble que c'est la deuxième fois ou troisième fois qu'on fait un contrôle comme ça en live. J'ai jamais mis autant de temps pour le faire. Les modes dérives va prendre tout son sens là. C'est un truc de fou. Ah d'ailleurs, je vais partager mon petit plaisir du jour avec la commu. J'ai reçu mon renouvellement de visa. 5 ans, la durée max. Je suis joie avec... Ah mais c'est trop cool, Pamton. Bravo. Trop bien. Allez, à bloc de Takoyaki pour toi.
Félicitations. Et ouais, il y a des icônes Nani qui viennent de se mettre au milieu. Bah, c'est pas grave, voilà, hop. J'envoie ça. Ça fait plaisir, bravo. Cool. Cool, 5 ans de tranquillité pour toi au Japon, au pays du soleil levant. Ça fait plaisir, trop bien. Omedeto, omedeto. Bon, ben, ça veut dire que pendant les 5 prochaines années, si je passe au Japon, je vais pouvoir venir te faire un coucou dans les rues de Tokyo. Ça, c'est trop cool. Trop cool. Let's go avec ce nuage de takoyaki pour Pamton, ça fait plaisir. Saigo wa Lokubandes. Attends, tac. On va faire juste un truc. Hop. C'est bon, voilà. Hop, on remet les alertes. Alors, bon, il y en a que trois. Ça se trouve, ça va être le plus chiant. L'exemple. Les potes no shiryo wa mo atsumemashitaka. Les potos, c'est le rapport. Shilio, c'est les documents du rapport, les éléments du rapport. Wa mo encore déjà. Atsumemashitaka, avez-vous? C'est rassembler. Oh, tiens, j'ai un doute sur le verbe. Atsumemas. C'est quoi la notif du ticket pour le germin? C'est quand c'est un follower. Follower, il a son ticket. Et là, c'est moi qui ai forcé une notif pour vérifier que ma notification, elle passait. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est pour c'est quand quelqu'un follow, il a son ticket pour le Germiland. Et les points de chaîne, c'est des tickets. Donc voilà, c'était le... Ça va chercher loin. Ok. Ah, c'est collectionné, c'est collecté. Atsumemas. Ok. Ah, ils analysent, ça y est. Et quand les gens sub, regarde, hop, ça devient un takoyaki. Et du coup, la personne, elle a un takoyaki devant son pseudo. Voilà, c'est pour ça. Je fais un petit peu de lore de la chaîne. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? Ah oui, les donations. Tiens, regarde. Hop, j'adore cette musique. C'est un faux don, hein, je tiens à le préciser. Est-ce que vous avez reconnu la musique? Qu'est-ce que quelqu'un a reconnu le petit son? Désolé, je suis débutante en Twitch. Aucun problème. T'as des alertes pour plein de choses. Ok, alors la réponse. Iye mada atsumete imasen. Non, je ne les ai pas encore rassemblés, collectés, collectionnés. Korekara atsumeru tsumori desu. D'accord, c'est prévu. D'accord, j'ai l'intention de le faire à partir de maintenant. D'accord, ok, j'ai compris. Donc là, il faut valser entre les formes, entre la forme mada plus te imasen et la forme tsumori yote, je vois. Donc à mon avis, ça va un peu mixer tous les exercices précédents. Allez, on y va en vélo, c'est parti. C'est parti. Iemshi no Matsumoto-san wa mo kimashita ka. Est-ce que monsieur Matsumoto de la société Iemshi est déjà venu, est déjà arrivé, sous-entendu? Il n'est pas encore venu. Iye mata kite imasen. Kite imasen. Iye mata kite imasen. Goji goro kuru yote desu. C'est planifié de venir et il est prévu de venir à 3h. Aux alentours de 3h. Sanji goro. Goro, c'est environ, à environ 3 heures. Deuxièmement, Kekkon ni tsuite mo ryoshin ni anashimashita ka? Ok, Kekkon ni tsuite... Putain, c'est quoi ça, tsuite mo? Tsuite...
Ah, à propos, ah oui. Kekon Nitsuite. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, j'arrivais pas à décomposer la phrase. Ok. Kekon Nitsuite. Alors, Nitsuite, ça veut dire à propos de. À propos du mariage. À propos du mariage. Kekon Nitsuite. À propos du mariage. Mo. Lyoshin. Ni. Anashi. Mashtaka. Mo. Lyoshin. Ni. Hanashi. Mashtaka. Avez-vous déjà parlé avez-vous déjà parlé aux parents à propos du mariage? Est-ce que tu as parlé du mariage à tes parents? Grosso modo. Nitsuite, à propos. Yes, exact, Izanami. Exact, exact. Et en fait, là, je buguais parce que j'avais l'impression qu'il y avait un mot entier, tout là, tu vois. Et j'arrivais pas à décomposer. Et après, je me suis un peu posé et hop, c'est venu. Coucou le germilandais, coucou le barmoc, comment ça va? Comment vas-tu? Le baroudeur, le chasseur d'invaders dans les rues de Paris. Où tu te trouves, la barmoc? Comment ça va? Comment ça se passe pour toi? Raconte-nous vite fait. Je fais un contrôle de japonais, là. Comme tu peux le voir, j'ai presque fini. On va faire la correction, là, dans quelques instants. Comment ça se passe pour toi? Vas-y. Dis-moi, je suis curieux, ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir, on a un peu parlé de toi en plus tout à l'heure, en bien, hein, toujours en bien, toujours. Iye Mada, donc là, j'en ai pas encore parlé, Ide Mada Anashimasen, Anashite Imasen, Iye Mada, j'écris en gomme. Ana Chite ima sen. Kondo kuni e kaeta toki. Quand je retournerai au pays cette fois, j'ai tsumorides. Donc j'ai la ferme intention d'en parler quand je rentrerai au pays. Donc hanasu. Ha. Na. Hanasu tsumori desu. J'ai l'intention d'en parler quand je rentrerai au pays. Retour au Berkay en Belgique pour le moment. Ok. Préparation pour le Japon du coup. Ça avance. Samban, c'est le dernier. Dernier. Il est midi pile. Ça y est, on finit le dernier. Monnaie pour payer le billet d'avion un jour, qui sait, Pamton, merci pour les 3... C'est des bits ou c'est... Non, pour le don, merci pour les 3 dollars. Merci beaucoup, c'est trop généreux de ta part, c'est trop gentil. Et ton message est trop mignon, merci beaucoup. Un jour, peut-être. J'ai hâte. J'ai hâte de revenir. J'ai un beau pavé, là. Attention, je dérive. Allez. Kemtaza, il est plus là, hein, donc ça va, je peux dériver. On va rien dire. Pourquoi Anashite imasen et pas Hanashimasen deshita ou un truc du genre? Parce que là, je suis en forme avec Mada plus verbe à la forme T imasen pour exprimer une action qui n'a pas été encore accomplie, pas encore été faite. C'est le point de grammaire qu'on a vu la dernière fois. On a vu hier. Et je vais vous le mettre dans le Discord, là, d'ailleurs. Je vais vous le mettre hier soir. Il faut que je rattrape. J'ai beaucoup de posts à rattraper sur le Discord. Là, je suis un peu à la bourre sur tout ça. Donc, il faut que je rattrape tout ça, les amis. Alors, Izanami, je sais pas, parce que toi, je sais que tu es beaucoup plus avancé que moi dans ton cursus d'apprentissage du japonais. Moi, je suis au tout début. J'ai vu une certaine quantité de formes, mais après, souvent, certaines formes basiques vont introduire des formes plus complexes et plus courantes dans la langue japonaise. Donc, peut-être que toi, tu as vu d'autres formes, d'autres manières de dire, ou peut-être que je suis dans la bonne forme et que tu ne la connaissais pas, tout simplement. Voilà. Je te dis ce que je viens de voir. Après, à voir, hein, c'est vrai qu'au début, on t'apprend à dire tous les matins, je fais du jogging. Mai asa jogging oshimas. Ouais, en fait, après, tu te rends compte qu'il faut utiliser la forme te imas quand tu veux dire une habitude, etc. etc. Donc, voilà, à apprendre avec des pincettes. Je ne suis pas si avancé que ça. Haha. Je pense que tu as raison sur ce coup-là. Niveau JLPT, tu saurais te dire à peu près quel niveau tu es, niveau JLPT? Pour moi, ça me permettrait de me dire. Ou je sais pas si tu utilises le Minna no Nihongo, encore plus simple. Alors, le dernier. Hayashi-san ni ageru
プレゼントはもう決めましたか？OK. Hayashi san ni a monsieur ou madame Hayashi. Ageru presento wa le présent que j'ai donné à madame Hayashi. Mo kimemashita. Je sais plus. Qu'est-ce que c'est que ce verbe? Mo kimeru. Je ne sais pas exactement, mais quand David de Japan Kanke fait ses lives en JLPT N4, je connaissais déjà pas mal de trucs. Je pense que tu es entre fin du L4, milieu du N3, peut-être, par rapport à ce que tu as pu me dire, ce que tu as fait au niveau de l'apprentissage ou quoi. Je pense que tu en es là. Enfin, c'est mon interprétation personnelle. Hein. Je ne sais pas ce que ça vaut. Iye Mada. Iye mada. Je vais réutiliser le même verbe. Je me souviens pas de ce verbe. Je me souviens pas de ce verbe. Iye mada. Qui mettait. Ah, j'écris en gomme. Qui mettait imasen. Iye mada. Qui mettait imasen. Chokusetsu. Directement. Ah, directement. Hayashi-san ni à monsieur Hayashi. Directement à monsieur Hayashi. Oshiemono o kiite kara. Parce que demander directement à monsieur Hayashi ce qu'il désire exactement. Parce que j'ai demandé à monsieur Hayashi ce qu'il voulait directement. Je sais pas. Je vais réutiliser le même verbe, mais c'est complètement du pur pif. Donc là, on est en forme volutive de kimeru. Donc du coup, ça nous donne kimeyo. Kimeyo to omotte imasu. Allez, on laisse comme ça. Fin du contrôle. Done. Fini. End. Ok, cool. Allez. On passe à la correction. On passe à la correction. Je sors mon stylo rouge. C'est parti, les amis. Vous avez vu des erreurs. Vous avez vu des bêtises. Vous êtes noté des informations, des trucs comme ça ou quoi. C'est le moment. Vous pouvez me les dire. Il n'y a aucun problème. Maintenant, on est dans le partage des différents problèmes, des différentes erreurs. On va voir ce que ça donne. Alors, une case, un point. On va faire easy. Donc là, il y en a 13. 13 points. Donc là, on va noter sur 13. C'est parti. Je prends le corrigé. Ça fait peur. Défaite de l'océan. Comment ça, t'as défaité? Pourquoi? C'est parti. Ichiban, Suzuke yo. On est bon. Modo shimas. On est bon. Le 3, c'est Shio. On est bon. Le 4, c'est Okiyo. Ok. Le 5, c'est Okimas, on est bon. Le 6, Motekoyo, on est bon. Le 7, Nokoro. Ok. Le 8, Olimas. On est bon. Tsukao, pour le 9, Tsukao. Le 10, Mitsukeyo. Le 11, Narabemas. Pour le 11, on est bon. Le 12, Erabimas. Ça nous donne Erabo. C'est le 12. Erabo. On est bon aussi. Et le dernier, Mochimas devient Moto. On est bon. Tout bon. Les amis, si vous avez répondu comme moi pour le premier exercice, tout est juste, donc félicitations à vous, félicitations à moi du coup. Bon, c'était juste pour comment on construit la forme volitive, hein, avec les verbes et tout ça, donc bon, c'était pas très très compliqué. Maintenant là, on va rentrer dans le dur, c'est parti.
Si je vais trop vite, ne vous inquiétez pas, la feuille, là, une fois que j'ai terminé, je vous l'envoie sur le Discord dans la partie partage révision, comme ça vous pourrez vous corriger aussi et voir un peu ce que j'ai fait, etc. etc. Niban, jikan ga nai kara isogo. Jikan ga nai kara isogo. Super, juste. Deuxièmement, oishi wine o moratta kara, isho ni nomo. Oishi wine o moratta kara isho ni nomo. On est bon aussi. Ensuite, le troisièmement, je lis la réponse hein, directement. Karina-san ga mada kite inai kara. Ah, je pense que j'ai fait une erreur. Karina-san ga mada kite inai kara. Non, c'est bon. Mo sukoshi matto. Non, on est bon. Troisièmement, c'est bon. Quatrièmement. Yamban. Atsui kara eakon o tsukete oko. Tsukete oko, on est bon. Impeccable. Le cinquièmement. Ashita wa yasumi dakara Tokyo Skytsuri ni ikanai. Ashita wa yasumi dakara, on est bon. Tokyo Skytsuri ni ikanai. Ah! Attention, j'ai fait une petite étourderie là. Juste là, j'ai oublié le petit trait sur le K. J'ai écrit K katakana au lieu de K hiragana. Juste une toute petite faute. Bon, on va pas la compter comme une erreur sur toute la ligne. Hein. On est gentil quand même. Et la réponse en dessous, c'est Iko. Iko, super. Putain, je me suis bien démerdé en fait. 6. Ano kisaten ni hairanai. Ano kisaten ni. Airanai. Pourquoi tu avais mis le 4 en jaune déjà? C'est pour faire un... J'ai besoin de réviser ça. Te okimas. Oups, j'ai cru que j'étais en surligneur. Pour la partie te okimas. La signification, la construction, tout ça. Donc, faut que je revoie ça. So shio. Putain, c'est tout bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Un grand succès! 8 sur 8. Trop bien. Si vous avez répondu comme moi, bah, félicitations. Omedeto, vous, Minna. C'est bon, c'est juste. Samban. Putain, pour l'instant, c'est un grand succès. Je suis content. Benkyoshio. On est bon. Et avec le kanji qui va avec. Merci, Zanami, pour les clap. Arigato. Niban. Alors, Niban. C'est pas Iko. Là, c'est utilisé. C'est Tsurete. Ah, accompagné. Tsurete Iko. Hop, je mets une croix pour dire que c'est faux. C'était Tsurete Iko qu'il fallait mettre. Tsurete Iko, le verbe accompagner. Le 3, Kao. Kao, hein, c'est bien ça, élever un animal. Le 4, Yongban, Yong, mais doko desu ka? Ah ouais, Tsukuro, on est bon pour Tsukuro. Et le cinquièmement, celui qui nous posait, qui m'a posé problème, c'était le 3-5, c'était Kaliyo. Effectivement, celle-là était juste et celle que j'ai prise était fausse, donc du coup, ça nous compte comme une erreur. Donc, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 points. À gratter sur cet exercice et sur les 5 points j'en ai gratté 3. C'est pas mal. La belle étourderie hein, avec le COD qui est juste marqué là hein, donc forcément hein, j'ai déménagé un appartement que j'ai vu la semaine dernière. Non, j'ai loué un appartement, j'ai l'intention de louer un appartement que j'ai vu la semaine dernière. C'était bien le verbe kalimas qu'il fallait utiliser, comme vous l'avez bien dit dans le chat. Merci les copains. Yongban. Tsuzukeru, on est bon sur Tsuzukeru.
On est bon, j'ai bien fait de me relire, hein, de prendre mon temps là. Trop bien, trop content. Ukenai, c'est bon aussi. Sugoi, le 3, Iku, c'est bon. Shinai, c'est bon. Ça fait un sans faute encore. Yong sur Yong, 4 sur 4, trop bien. Cinquièmement, Yojini Owaru. Yojini Owaru, c'est good. Niban. Nidimade no, on est bon. Samban, Shiten e Iku, on est bon. Yongban, Ishukan Hokkaido o Ryoko suru, hein, j'avais juste marqué Ryoko suru, on est bon. Et le dernier, Gojunin Gurai no, c'est encore un sans faute, on est sur du 5 sur 5. Putain, trop content. Premier, le 6, c'est Kiteimasen, on est bon. Et le 3, c'est... Sanji, j'ai vu Sanji Goro, du coup j'ai dit c'est le troisième rang. Non, c'est 3. 3, c'est Kuru, on est bon. Deuxièmement, Hanashiteimasen, on est bon. Hanasu, c'est tout bon. Alors, là, c'est la plus grosse escroquerie du monde. J'ai rien compris à ce verbe. Kimemas. Je sais plus du tout ce que ça veut dire. Du coup, j'ai répondu avec ce verbe et je l'ai bien conjugué. Kimeteimasen, c'est cool, c'est juste. Et Kimeyo, c'est encore juste. Oh, l'escroquerie. Donc voilà. Ça c'est fait les amis, ça c'est fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça nous fait un 6 sur 6, c'est décidé, ben, on va regarder, tiens. Où j'ai foutu Imiwa, il est là. Merci Océan. Qui m'est lu ? Décider, choisir, effectivement. Ah, choisir, je pense toujours à Elabu, Elabimas, choisir. Décider, ok, donc c'était le verbe décider, et du coup, bah voilà, il demandait si t'avais décidé le cadeau de monsieur Hayashi-san ni ageru prezento wa mo kimemashita ka, avez-vous décidé du cadeau que vous allez apporter à monsieur Hayashi? Iye mada Kimeteimasen, non, je n'ai pas encore décidé. Etc. Après, qu'est-ce qu'il dit? Shokusetsu. Ah, d'accord. Shokusetsu Hayashi-san ni hoshii mono o kite kara kimeyo to omotte imasu. J'ai l'intention de décider. Ah oui, parce que j'ai demandé la chose que désirait monsieur. Parce que je vais demander à monsieur la chose que désire. Parce que je vais demander directement à monsieur Han, à monsieur Hayashi, l'objet qu'il désire. J'ai l'intention de me décider à ce moment-là, quoi. Voilà, grosso modo, c'est il va lui demander, il se décidera à ce moment-là quand il lui aura demandé. Faisons le récapitulatif, les amis. Alors, on est noté sur combien là? On a un exercice à 6, on a un exercice à 5, 4, encore 5. Et 8 et 13. Ça nous donne une notation sur... attends. On est sur une notation sur 41. Il y a 41 points au total. Et il me semble que j'ai perdu que 2 points. Donc j'ai perdu que 2 points exactement. Donc ça fait un 39 sur 41. 39 par 41 multiplié par 20. Ça nous donne un 19 sur 20. Cool! Cool! Trop content! Trop content! Super, super contrôle! Super matinée avec vous, les copains! Ouah, c'était génial! C'était génial! J'espère que ça vous a plu! J'espère que ça vous a plu cet exercice! Je fais la notation comme ça, pourquoi? Parce que j'envoie ça à ma prof après.
j'envoie ça à ma prof pour lui montrer ce que je fais et tout. Elle met ça dans mon dossier d'apprentissage et tout. Et du coup, c'est super important pour elle d'avoir ça. Ces éléments-là, copier. Je vous fais un petit screenshot. Je vous fais une petite exportation bien propre. Et je vous partage ça sur le Discord, bien entendu, les amis, pour que vous puissiez suivre cette petite aventure au sujet de l'apprentissage du japonais, parce que c'est pas que de l'apprentissage où on dit fait un petit exercice ou quoi, etc. De temps en temps, moi aussi je vous partage des exercices, des choses un peu plus compliquées, un peu plus formelles. Voilà, c'est ça que je cherchais comme moi. Un peu plus